Bien, bonjour à toutes et tous. On va commencer. Vous savez que la commission est réunie ce matin pour différentes nominations, propositions de nomination au titre de l'article 13 de la Constitution. Et on va commencer par l'examen de la proposition de nomination par la présidente de l'Assemblée nationale de deux membres au Conseil supérieur de la magistrature, en remplacement de Madame Hélène Polia et de Monsieur Georges Bergougnou. En application de l'article 65 alinéa 2 de la Constitution, cette nomination, je viens de vous le dire, suit la procédure de l'article 13. S'agissant de la nomination par la présidente de l'Assemblée nationale, elle peut avoir lieu si l'addition des votes négatifs représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein de notre seule commission, puisque dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu de procéder à un vote ni à une audition au Sénat. En application de l'article 29-1 de la règlement de l'Assemblée, la commission a désigné un rapporteur. Ce rapporteur compte parmi les groupes minoritaires ou d'opposition. C'est donc Madame Pascale Borde du groupe Rassemblement national qui est au rapport de cette nomination. On a adressé, en tout cas, la rapporteure a adressé un questionnaire aux deux candidats proposés par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Diane Roman, qui se retrouve à mes côtés, et Monsieur Loïc Cadier, auxquels ces derniers ont apporté des réponses écrites. Normalement, vous en disposez, Madame la rapporteure. Les réponses ont été adressées avant-hier aux différents commissaires, donc vous devez en disposer. Et elles seront publiées, elles ont été mises en ligne d'ores et déjà sur le site de l'Assemblée. On va d'abord procéder à l'audition de Madame Diane Roman. Je vais donner d'abord la parole à la rapporteure, puis Madame Roman, vous aurez la parole, et ensuite les orateurs de différents groupes pour une durée de 2 minutes. Madame la rapporteure. Monsieur le Président, Madame Roman, mes chers collègues. Madame Roman, la présidente de l'Assemblée nationale, a proposé votre nom pour siéger en tant que personnalité qualifiée au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Le CSM est un organe fondamental de nos institutions et son rôle est pluriel. En effet, ses membres participent pleinement au process de nomination des magistrats et ils ont par ailleurs compétences en matière disciplinaire. Le CSM peut également répondre au président de la République lorsque celui-ci demande des avis au titre de l'article 54 de la Constitution. Précisément, la Constitution du 27 octobre 1946 a fait du CSM un organe autonome, marquant ainsi la volonté de fonder une justice indépendante. Mais indépendance ne signifie pas pour autant irresponsabilité, comme vous le précisez vous-même, Madame Roman, dans les réponses adressées à cette commission. Tout comme l'indépendance des magistrats du siège implique dignité, loyauté, impartialité, réserve, prudence, délicatesse, l'indépendance des magistrats du CSM, appelés à nommer les magistrats de l'ordre judiciaire, voire à les juger, implique un certain nombre d'obligations de comportement visées par les dispositions de l'article 10-1 de la loi organique du 5 février 1994, modifiée par la loi du 8 août 2016. Ces dispositions stipulent « Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité et veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Votre nomination au CSM en tant que personnalité qualifiée a donc été proposée par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle notre commission vous reçoit afin de vous auditionner et d'apprécier en conscience l'opportunité de vous nommer à ce poste. Madame Roman, je souhaite en préambule revenir sur votre parcours professionnel. Vous avez obtenu un DEA de droit public interne en 1996, après avoir réalisé un mémoire sur l'opposabilité des circulaires administratives. Vous êtes devenu docteur en droit en 2000, après une thèse sur le droit public face à la pauvreté. Vous êtes également agrégé de droit public. Vous avez exercé comme maître de conférence en droit public à l'université de Paris 1, Sorbonne, à partir de 2001, et vous avez également été mise à disposition de l'école des hautes études en santé publique à Rennes en 2010. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'école de droit de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon Sorbonne, où vous dispensez plusieurs matières différentes, telles que le droit administratif, les droits fondamentaux et droits de la société, les questions contemporaines de droit public, les droits sociaux et environnementaux, ou encore le droit de la responsabilité médicale. Parmi vos axes de recherche, vous mettez en avant les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité et la non-discrimination, le droit social et le droit de la santé. Votre dernier ouvrage, publié, date de 2022, et s'intitule « La
cause des droits, écologie, progrès social et droits humains. Cet essai analyse l'émergence de nouveaux droits humains, comme celui du droit à un environnement sain. L'un de vos articles, publié en juillet 2022, prend un parti pris sur un sujet que notre commission a traité il y a peu, puisqu'il s'intitulait « Pourquoi et comment constitutionnaliser le droit à l'avortement ?». Vous avez également co-dirigé l'un des plus importants projets de recherche sur le droit et le genre en France, le projet Régine, qui se proposait d'ancrer la théorie féministe du droit dans le paysage de la recherche juridique française. Enfin, sur un plan plus politique, vous avez signé avec 10 autres universitaires une tribune en faveur de l'accueil des réfugiés dans les universités, publiée en septembre 2015 dans Libération. Vous avez signé, dans le cadre d'un collectif d'associations et d'universitaires, une tribune contre la loi séparatisme, invoquant une grave atteinte aux libertés associatives, publiée en janvier 2021 dans Libération. Et vous avez signé avec 800 autres universitaires une tribune appelant à voter pour le candidat Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022, publiée dans le Nouvel Observateur. Aussi, avant de vous laisser la parole, je profite précisément de mon temps de parole pour vous remercier d'ores et déjà, Madame Roman, pour les réponses écrites que vous nous avez fait parvenir lundi, ainsi que pour celles que vous nous apporterez dans le cadre de cette audition. Merci, Madame la rapporteure. Madame Roman, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, commissaires aux lois, c'est évidemment un très grand honneur pour moi de me présenter aujourd'hui devant votre commission après avoir été pressentie par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, vous m'avez proposé, Monsieur le Président, de présenter mon parcours. Je le fais en gardant à l'esprit les mots du conseiller d'État Eugène Marbeau, « Dire du mal de soi est le seul moyen de parler de soi sans ennuyer les autres ». Donc, j'essaierai de compenser par la brièveté l'ennui éventuel que je serai susceptible de vous causer. Comme vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, j'ai un parcours académique classique, docteur en droit, agrégé de droit public et professeur de droit d'abord à l'université de Tours, puis ensuite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'ai le bonheur de transmettre à mes étudiants, année après année, mon goût du droit. À cela, j'ai ajouté un certain nombre d'expériences administratives, dans un premier temps au sein du Conseil national des universités, où j'ai été élue par mes pairs pour siéger au sein de cet organe qui, vous le savez, est l'organe chargé du recrutement et de la gestion de la carrière des enseignants-chercheurs, enseignants-chercheurs qui présentent avec le corps des magistrats la particularité de voir leur indépendance garantie par la Constitution. J'ai ensuite participé au sein de l'Agence nationale de la recherche à un certain nombre de programmes qui m'ont permis d'acquérir l'expérience de l'évaluation des dossiers, de la gestion administrative. Et puis enfin et surtout, j'ai été nommée par le Premier ministre en qualité de personnalité qualifiée au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. J'y ai présidé la sous-commission chargée des questions d'éthique, de société et d'éducation au droit. Et je retire de cette très belle expérience l'importance de la délibération collégiale pour parvenir à une confrontation de points de vue qui peuvent être parfois fort divers et aboutir néanmoins à une décision qui soit collégiale, acceptable et acceptée. Et c'est donc à ce stade de mon parcours universitaire que Madame la Présidente de l'Assemblée a proposé ma nomination au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Je l'en remercie vivement, tant cette proposition m'honore. Mais si elle m'honore, elle m'oblige également. Elle m'oblige également et je me suis demandé quel apport pouvait être le mien à cette institution républicaine si précieuse qu'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et à la réflexion, avec évidemment l'humilité qui s'impose, il me semble que cet apport pourrait être double et venir du regard à la fois expert et extérieur que je pose sur l'institution judiciaire. Alors, un regard expert d'abord, qui est tiré de mon domaine de compétences scientifiques, comme vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, il porte sur la protection des droits fondamentaux, et dans mes travaux universitaires, j'ai abordé cette question sous trois angles complémentaires.
Le premier angle, c'est le droit du justiciable à un juge, mais plus encore le droit du justiciable à un bon juge. Un bon juge, c'est un juge qui présente des qualités d'indépendance, des qualités d'impartialité, qui statue dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire. J'ai également, et c'est effectivement le fil rouge de mes travaux universitaires depuis ma thèse de doctorat sur la pauvreté, j'ai également réfléchi aux inégalités sociales et en particulier aux inégalités entre les femmes et les hommes, et j'ai essayé de réfléchir aux réponses juridiques qui étaient apportées à la question sociale ou aux questions sociales. Et puis, dans un troisième temps, j'ai également, notamment par l'ouvrage que vous avez rappelé, madame, j'ai travaillé à la question de la place de la justice dans un état de droit où les pouvoirs sont séparés et justice qui est saisie de demandes de droits de plus en plus nombreuses, notamment en matière sociale et environnementale. C'est donc à ce titre que mon parcours universitaire me paraît caractériser une expertise juridique qui est à même de comprendre et de participer aux missions du Conseil supérieur de la magistrature, qui, comme vous le savez évidemment, sont triples. Il s'agit pour le Conseil d'assister le président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de la magistrature et de la justice. Il s'agit aussi pour le Conseil supérieur, en tant qu'institution chargée d'édicter un recueil de déontologie, de garantir le droit du justiciable à un bon juge. Et enfin, en tant que juge de la discipline des magistrats du siège, et donc juridiction administrative spécialisée, et pour le parquet autorité administrative consultative, d'assurer le respect des règles disciplinaires. Alors, ce regard expert, il est aussi un regard extérieur. C'est un regard extérieur, car je ne suis pas magistrate, je n'ai jamais été avocate, et on pourrait même dire que je ne suis pas du sérail judiciaire, dans la mesure où mon champ de compétence est plus le droit du service public que le droit judiciaire privé, les règles de la procédure civile ou de la procédure pénale. Mais il me semble justement que le fait de ne pas être directement spécialiste de ces questions correspond à la définition même des membres extérieurs du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est finalement tout l'intérêt de la présence de personnalités qualifiées qui apportent un point de vue différent et un point de vue renouvelé sur l'institution. Et j'y vois un gage d'ouverture, j'y vois un gage d'indépendance, j'y vois un gage de transparence, qui sont d'autant plus précieux quand il s'agit de l'institution qui est chargée de veiller au bon fonctionnement d'une justice qui est rendue au nom du peuple français. Donc c'est ce double regard, à la fois expert et extérieur, que je vous propose d'apporter au Conseil supérieur de la magistrature si vous veniez à confirmer ma nomination. Et je verrai dans l'honneur qui me serait fait la possibilité de prolonger sous une forme différente, mais avec un engagement identique, ce qui a été le cœur de mon activité en tant qu'universitaire ces 25 dernières années, à savoir œuvrer à l'intérêt général, au respect des droits fondamentaux et aux valeurs qui fondent le pacte républicain et l'état de droit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, Madame la rapporteure, je crois que vous avez des questions. J'en aurai moi-même deux après à votre suite. Je m'amende pour une information à votre attention. Les orateurs de groupe ont 4 minutes. Et c'est les orateurs. Il n'y a pas d'orateur, il n'y a que des questions. Il n'y a que des questions. Alors non, je ne m'amende pas. C'est les questions, c'est 2 minutes, pardon. Je me suis trompé. J'avais eu peur de vous donner un peu plus de temps et finalement, je suis rassuré par le fait que vous serez tous très brefs. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions pour Madame Roman. Alors, Madame Roman, la lecture de votre impressionnant CV démontre amplement que vous êtes, alors pour le moins, très investie dans vos fonctions d'universitaire, dans leur double dimension d'enseignement et de recherche. Vous précisez vous-même donc, que vous êtes tout à fait consciente de l'ampleur de la tâche dévolue aux personnalités qualifiées membres du CSM et que vous entendez, pour la durée du mandat qui pourrait ainsi vous être confié, y consacrer l'essentiel de votre activité professionnelle. Et vous indiquez précisément que vous solliciterez de votre université une décharge de service afin de diminuer fortement votre activité académique, ce qui vous permettrait de participer, je cite, aux différentes missions dévolues aux membres du CSM, qu'il s'agisse des 3 jours hebdomadaires de session, de la préparation des réunions et des déplacements en juridiction. Et vous affirmez que pour la partie d'enseignement que vous serez amené à conserver donc, au sein de l'école de droit de la Sorbonne, vous concentrerez vos cours lors des jours où aucune séance du Conseil ne sera prévue. Dès lors, au regard
de ces déclarations, je m'interroge sur votre réelle capacité à vous rendre disponible afin de pouvoir vous consacrer totalement à la mission qui pourrait vous être dévolue par le CSM, mission qui ne saurait, et nous en sommes, je pense, tous d'accord, être exercée à temps partiel sous peine de pénaliser l'institution. Vous reconnaissez donc que votre activité professionnelle actuelle vous accapare, que les missions du CSM devraient vous occuper à minima 3-4 jours par semaine. Sur une semaine de 5 jours ouvrables, il ne reste donc plus qu'une journée pour la partie d'enseignement que vous entendez conserver, pour votre activité de recherche, ce qui me paraît quand même extrêmement difficile, voire impossible à mettre en œuvre. Par ailleurs, en agissant ainsi, me semble-t-il, vous feriez supporter la charge de votre nouvelle organisation professionnelle, à la fois sur vos étudiants, puisqu'il y aurait des changements effectivement de planning induits par ceci. Donc il y a quand même des étudiants qui travaillent et qui devraient également modifier leur propre emploi du temps, à la fois universitaire, mais également avec leur employeur. Et vous feriez également supporter cette charge organisationnelle à vos collègues de travail. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez effectivement comment est-ce que vous entendez réellement mener à bien ces deux missions. Merci. J'ai une deuxième question, je ne sais pas si je la pose. Allez-y. Voilà. Alors, deuxième question pour Madame Roman. Le CSM a statué comme conseil de discipline des magistrats du siège et a rendu un jugement très récemment, le 16 janvier dernier, jugement à travers lequel il a prononcé à l'encontre d'un magistrat du siège la sanction de déplacement d'office au motif qu'il aurait, par le biais de son compte Twitter, évoquer des opinions personnelles, des positions syndicales et son engagement politique, ce qui aurait pu faire naître un doute quant à sa neutralité, c'est en tout cas ce qui est stipulé dans les attendus du jugement. Or, me semble-t-il, ce qui est vrai pour un magistrat du siège l'est a fortiori pour les membres du CSM appelés précisément à juger ces mêmes magistrats du siège. Vous n'en disconvenez pas, puisqu'à la question qui vous a été posée, pensez-vous que l'exercice de vos fonctions au CSM implique de votre part une réserve sur les sujets politiques. Vous avez répondu en citant les dispositions de l'article 10-1 de la loi organique de 1994 qui stipule que les membres du CSM exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. Or, vos multiples prises de position publiques sur des faits sociétaux et ou sur des faits des événements politiques, qu'il s'agisse, comme je l'ai rappelé, de votre appel à signer une tribune en faveur de l'accueil des réfugiés, d'une tribune contre la loi séparatisme ou de la signature avec 800 autres universitaires, une tribune appelant à voter pour le candidat Mélenchon, laisse à penser à tout le moins qu'au regard de la récente décision précitée du CSM, vous pourriez ne pas avoir la neutralité, l'impartialité nécessaire pour mener à bien votre mission. Quel est votre positionnement ? Merci. S'il vous plaît, on a un peu de silence. Moi, j'aurais deux questions, Madame Roman. D'abord, la première, c'est qu'on a, je pense, une controverse sur la création de la source de droit et sur exactement l'appréciation des pouvoirs entre eux sur leurs travaux respectifs. Et notamment sur le fait que le juge puisse avoir une appréciation sur les lois qui sont votées ou sur leur qualité, et sur le fait que le législateur puisse avoir, quant à lui, une appréciation sur la nature des jugements qui sont rendus. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un discours qui est très critique de l'un envers l'autre et que si le magistrat peut légitimement s'émouvoir que le législateur critique les arrêts ou les jugements qu'il rend, le législateur en retour peut tout à fait s'interroger sur le fait que les magistrats critiquent la qualité des textes, encore plus lorsqu'il s'agit d'une procédure législative qui n'est pas allée jusqu'à son terme. Dans ces circonstances, je voulais savoir quelle était votre position et quelles étaient les positions que vous serez amené à prendre si, en tant qu'élu au Conseil supérieur de la magistrature, si vous étiez chargé d'étudier cette question. C'est ma première question. Ensuite, vous êtes une juriste de droit public. Et donc, vous avez certainement vu l'appréciation qui a été portée par le vice-président du Conseil d'État sur la nature des obligations internationales qui incombent à la France, y compris dans ce qu'elle comporte comme objectif et non pas comme disposition contraignante, et dans la façon dont il y a une transformation des juridictions administratives qui impose aux législateurs, mais qui par ailleurs transposent dans leur,
dans leur décision des objectifs qui sont à ce stade non normatifs. Et donc dans ces circonstances, j'aurais aimé que vous puissiez nous dire comment vous appréciez, en tant que juriste, mais certainement en tant que futur membre du Conseil supérieur de la magistrature, le fait que le juge soit créateur de normes. Alors il l'est par essence dans son interprétation de la loi ou dans son contrôle de conventionnalité pour ce qui concerne la relation au traité, mais comment il peut, en appréciant ou en transposant ou en surtransposant par ailleurs des objectifs issus des traités internationaux, être créateur de droit et à ce titre contraindre et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais également vous entendre. Je vais faire un tour avec les différents groupes. Je donne d'abord la parole à M. Didier Paris pour le groupe Renaissance. Merci, M. le Président. Deux minutes. Vous avez posé finalement des questions que je souhaitais aborder, et d'une certaine façon, Madame la rapporteure aussi. Merci, Madame Roman, pour vos réponses écrites. 18 pages. C'est assez dense. Moi, je me suis astreint à les lire du début à la fin. C'est intéressant. Juste deux questions un peu différentes, un peu plus techniques peut-être. La première, vous faites clairement référence à l'avis du CSM de 2021 sur la responsabilité, ou plus exactement sur le parcours de disciplinaire du CSM à l'égard des magistrats. Est-ce que vous avez une vision plus large sur la responsabilité des magistrats qui me semble être le pendant indispensable de leur indépendance ? Quelle est votre vision de l'évolution possible de la responsabilité des magistrats dans notre société contemporaine ? Deuxième question, le CSM, et vous suivez en cela un certain nombre de préconisations, notamment d'un rapport que Hugo Bernalicis et moi avions déposé, vous préconisez que le CSM ait un pouvoir plus large en matière de contrôle budgétaire, en matière d'avis sur les projets de loi and so on, si je puis dire. Jusqu'où peut aller ce pouvoir propre du CSM qui ne lui est pas donné aujourd'hui et qui est une évolution sans doute intéressante? Et seriez-vous d'accord pour que nous donnions des pouvoirs complémentaires au CSM, notamment par la capacité qu'il aurait de faire intervenir l'inspection de la justice, qui n'est pas le cas actuellement? Le CSM est un organe essentiel, mais qui manque parfois de moyens concrets, matériels, pour déployer ses propres activités. Merci à vous et bravo pour votre parcours professionnel. Merci, Madame Marie-France Leroux, pour le groupe Rassemblement National. Oui, merci, Président. Merci, Madame, pour tous ces éléments. Je voudrais vous interroger sur les éléments d'appréciation que vous avez fournis concernant la faculté pour le justiciable de saisir le CSM, ouverte depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Vous relevez que chaque année, le CSM est saisi de nombreuses plaintes de justiciables, 377 en 2021, mais qu'après 10 années de fonctionnement, seuls 7 dossiers ont donné lieu à une décision de renvoi devant la formation disciplinaire compétente et qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée. Vous soulignez que les justiciables à l'origine de ces saisines comprennent mal la procédure, qu'ils l'envisagent à tort comme une voie de recours supplémentaire contre une décision juridictionnelle sans mettre en cause un manquement déontologique du juge. Vous proposez, pour rendre cette procédure plus efficace, d'une part que le CSM communique mieux auprès des justiciables sur les conditions de recevabilité des saisines et, d'autre part, que des modifications réglementaires soient introduites pour faciliter leur recours à un avocat. Mais la vraie question n'est-elle pas au fond celle de l'opportunité du maintien de ce mode de saisine du CSM, dès lors que sur une période de 10 ans, aucune des procédures introduites par un justiciable n'a prospéré? Ce d'autant plus qu'il résulte inévitablement de ce type de procédure, pour le magistrat mis en cause, des désagréments et des inquiétudes qui ne peuvent que nuire à son équilibre personnel. Je vous remercie. Merci, Madame Raquel Garrido, pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présentation, Madame Diane Roman. Tout d'abord, une observation sur l'interrogation forte qu'a formulée Madame la rapporteure sur l'organisation de votre emploi du temps et sur l'éventuel cumul de vos tâches académiques, même restreintes, et vos tâches au CSM. Je tiens quand même à rappeler à Madame la rapporteure qu'ici, dans la salle, il y a un certain nombre de députés qui cumulent le mandat de député avec d'autres mandats, conseiller départemental, conseiller régional. C'est le cas, par exemple, dans le groupe politique où siège Madame la rapporteure, où
énormément de députés cumulent conseiller régional, conseiller départemental et autres avec députés. Et dès lors, Madame Roman, je considère qu'ici, il faudrait faire preuve peut-être un peu d'humilité par rapport à la question éventuelle du cumul, parce que quand on a des rigueurs, il faut d'abord se les appliquer à soi-même avant d'essayer de les imposer aux autres. Ça, c'est une première observation. La deuxième, effectivement, c'est sur l'évolution du CSM en tant qu'élément du pouvoir, des pouvoirs constitués et de la garantie de la séparation des pouvoirs. Nous sommes aujourd'hui en France, vous le savez, Madame Roman, dans une situation institutionnelle un peu déséquilibrée, un peu en instabilité par rapport au rapport entre les différents pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaire. Pour la première fois depuis en 5e République, le président de la République, enfin, mis à part les périodes de cohabitation successives à des élections législatives que nous connaissions dans l'ancien mode de scrutin, mais vous savez que le président de la République n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale, donc cela génère des conflits de pouvoir importants avec l'utilisation par exemple du 49-3 et peut-être du 47-1 dans le cas de l'adoption actuelle du régime de la réforme des retraites. Ma question est-ce que, de façon théorique, vous-même, vous avez réfléchi à l'évolution du CSM lui-même? Alors mon collègue, par exemple, a abordé la question de nouveaux pouvoirs, par exemple de convoquer l'inspection générale. Avez-vous même des idées sur ce point? Je sais que vous avez travaillé dessus. Madame Untermeyer, pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la professeure. Moi, je tiens d'abord à vous remercier pour la qualité des réponses que vous avez faites et qui satisfont mon groupe totalement. Nous sommes, je trouve qu'il y a en plus une liberté de ton que nous n'avons pas toujours dans ces candidatures. Et en même temps, une expression de réserve qui est tout à fait essentielle, à la fois déontologique, et que nous n'avons aucun souci par rapport à la qualité avec laquelle vous pourriez remplir cette mission. Et mon groupe est totalement satisfait de cette candidature. Je ne sais pas s'il est d'usage de le dire, mais en tout cas, nous le pensons fortement. Alors, sur la personnalité qualifiée, nous n'avons aucun doute. Sur l'utilité, je pense, d'inclure davantage les universitaires à la vie publique, c'est tout à fait essentiel. Et votre statut d'indépendance d'enseignant-chercheur, me semble-t-il, est un élément supplémentaire. Ajouter à cela un effort de parité dans le CSM qui me paraît tout à fait bienvenu. Alors, vous avez dit dans votre longue réponse que l'indépendance, finalement, ça n'est pas l'indifférence. L'indépendance de la justice, ça n'est pas l'indifférence. C'est très important pour nous, et les orientations attendues par la société et les professionnels de la justice, auxquels vous n'opposez pas de réserve, bien au contraire, vont tout à fait dans notre sens. Alors, une question, c'est à la fois un regret et une interrogation. Vos travaux universitaires nous sont fort utiles. Est-ce que votre candidature va nous priver de ces travaux et pour la durée du mandat, ou considérez-vous encore possible de mener cette réflexion et de la partager avec cette observation qui est aussi que le Conseil supérieur de la magistrature est une autorité qui est fort absente, et moi je le regrette, de la commission des lois. Merci. Madame Marie-Agnès Poussier-Vinsbach pour le groupe Horizon. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la professeure, la qualité, je partage l'analyse de ma collègue à l'instant, la qualité de vos réponses, nous devons la saluer. Bravo pour votre parcours. Vous avez successivement siégé, vous nous l'avez dit, dans des instances qui forment à bien des égards, nous semble-t-il, l'antichambre d'une nomination au Conseil supérieur de la magistrature. Je m'interroge juste sur un sujet, c'est la place des femmes dans cette institution. Nous le savons aujourd'hui, ce n'est absolument pas représentatif de la place des femmes dans la magistrature, et moi j'aurais tout simplement voulu avoir votre avis sur la question et éventuellement de quelle manière vous pouviez espérer, si c'est le cas, faire évoluer les choses. Merci. Monsieur Romain Maubry pour le groupe Rassemblement National.
Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame Roman. Alors, à la lecture de vos réponses au questionnaire, notamment au sujet de la défiance des Français à l'égard de l'institution judiciaire, vous évitez de prendre une position claire sur la question. Après nous avoir dit que la défiance des Français à l'égard de cette institution n'était qu'affaire de justiciables et parfaitement subjective, vous revenez sur ces mots en affirmant que, objectivement, nous traversons une crise de l'autorité judiciaire et qu'il convient de rétablir la confiance dans le système de justice. Au regard de cette contradiction étonnante, l'analyse que l'on peut en tirer de vos réponses est pour le moins équivoque. Et je ne peux m'empêcher de constater que vous n'êtes pas lucide quant à la situation déplorable de notre système judiciaire français. Ma question est donc simple. Admettez-vous que notre institution judiciaire souffre d'un mal tel qu'il justifie une attitude de défiance de nos compatriotes à son égard ? Et naturellement, je me dois de vous interroger sur le fond du problème. Selon vous, quelles sont les causes d'une telle déroute ? Sont-elles inhérentes à l'institution ou bien relèvent-elles de la complexité de notre droit français et de sa mise en application ? Vous n'êtes pas sans savoir que le rôle pour lequel la présidente de l'Assemblée nationale a proposé votre candidature exige une clairvoyance évidente tant au sujet du fonctionnement des juridictions qui relèvent du ministère de la Justice qu'à propos de la formation des magistrats qui en seront les garants. Nous avons toujours eu à cœur de défendre une justice ferme et à laquelle les Français peuvent faire confiance. Il nous est donné aujourd'hui la possibilité d'en auditionner l'un des potentiels futurs acteurs. Donc je vous remercie de clarifier un peu votre position sur les questions que je vous ai posées. Merci. Monsieur Florent Boudier pour le groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président. Les réponses, Madame la Professeure, les réponses aux questions qui vous sont posées nous paraissent pertinentes, tout à fait justifiées. Mais je voudrais revenir sur un point qui mérite sans doute, en tout cas pour ce qui me concerne, des éclaircissements. J'étais rapporteur général du texte dit de lutte contre le séparatisme. Et je me souviens d'un certain nombre de prises de position que vous avez pu émettre en étant co-signataire d'un certain nombre de textes, un en particulier, me semble-t-il. Je m'en souviens parce que j'en avais pris connaissance à l'époque où j'étais moi-même rapporteur général du texte au mandat précédent. Vous y affirmiez notamment, avec d'autres signataires, qu'il s'agissait d'une loi anti-association. Je crois que c'est les termes précis que vous aviez utilisés à l'époque. Et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur ce point de vue un an et demi après que le texte ait été adopté. Je vous remercie. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous propose de vous donner la parole, Madame Rondon. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est particulièrement difficile de répondre à toutes ces questions fort diversifiées, de surcroît de le faire dans un délai raisonnable. Alors, il est vrai que j'ai répondu longuement par écrit aux questions qui m'étaient posées. Le questionnaire était lui-même fort long et comportait 18 questions. Ce n'est pas un moyen d'invoquer votre indulgence, mais en tout cas, c'est une des explications à la longueur du questionnaire. J'essaierai d'être plus brève et de répondre de façon synthétique à l'ensemble des questions, peut-être en distinguant celles qui me concernent personnellement et celles qui portent sur l'institution. Pour celles qui me concernent personnellement, et notamment celles qui portent sur ma capacité à m'investir au sein du Conseil supérieur de la magistrature et à m'investir de façon impartiale, j'aimerais attirer l'attention de votre commission sur deux éléments que je crois importants. Le premier élément, ce qui concerne ma disponibilité matérielle, les responsabilités des enseignants-chercheurs sont partagées entre des tâches d'enseignement et des tâches de recherche. Effectivement, une décharge de service d'enseignement est possible. Je la demanderai. Elle me conduira à exercer, je pense, un demi-service d'enseignement, c'est-à-dire 64 heures de cours magistraux annuels qui seront placés à des moments compatibles avec mon emploi du temps, non pas parce que l'université s'adaptera à mes besoins, ce n'est jamais le cas et nous devons respecter les grilles horaires qui nous sont données, mais bien parce que je choisirai des cours qui seront offerts aux étudiants à des moments correspondant à cette disponibilité.
Pour ce qui concerne, en revanche, mon activité académique, mon activité scientifique, je crains effectivement d'être conduite à la restreindre fortement, non pas parce qu'elle poserait un problème de conflit d'indépendance ou un problème de conflit d'impartialité avec mes obligations éventuelles au sein du CSM, si vous veniez à me les attribuer, mais bien pour des raisons de disponibilité matérielle, même si, en tant qu'enseignante-chercheuse, j'ai l'habitude de travailler les week-ends et les nuits également, il est évident que je ne saurais mener une double carrière de front. Pour ce qui concerne, toujours, et je suis navrée de parler de ma personne, mais c'était les questions qui m'étaient posées qui m'amènent à ces réponses, pour ce qui concerne mon impartialité, en revanche, et la compatibilité de mes engagements intellectuels, de mes convictions, avec une exigence d'impartialité. Nous avons toutes et tous des convictions. Nous avons toutes et tous des convictions. Elles sont le fruit de notre parcours personnel, elles sont le fruit de nos expériences de vie, elles sont le fruit des valeurs qui nous ont été transmises ou que nous avons forgées, elles sont le fruit de nos représentations du monde. Hubert Beuve-Méry avait ce mot que j'aime beaucoup, la neutralité, ça n'existe pas. La neutralité, ça n'existe pas, l'honnêteté, si. Ajoutait-il. Et je crois qu'il est effectivement très important de, si l'on a des convictions, de prendre régulièrement un moment de recul par rapport à celles-ci, de douter de ces convictions, de les discuter, d'être ouvert à l'écoute de points de vue différents. Et bref, il me semble que dans ce mouvement de prise de distance à l'égard de nos convictions, dans ce mouvement qui empêche que les convictions deviennent des certitudes, c'est là que se trouve, à mon sens, l'impartialité. Et c'est ce qui explique qu'il est tout à fait possible d'avoir des convictions, évidemment, et de réfléchir et de décider de façon impartiale. Alors, Madame la rapporteure, vous avez effectué un travail attentif d'évaluation de mon dossier. Évidemment, tous les éléments que vous avez relevés n'étaient pas dans mon CV, dans mon curriculum vitae universitaire. Je ne mentionne pas les éventuelles pétitions que je suis amenée à signer, plus d'ailleurs à signer qu'à rédiger, c'est-à-dire qu'il arrive parfois que certaines des pétitions que j'ai pu signer correspondaient à un accord global de ma part, même s'il y avait un désaccord sur certains termes, mais quand le texte est signé par un grand nombre de pétitionnaires, il est difficile de l'amender pour l'adapter complètement à ces points de vue. Aurais-je l'occasion de signer des pétitions si jamais vous veniez à me confirmer? Je ne passe pas ma vie à signer des pétitions. J'ai beaucoup de travail par ailleurs et c'est exceptionnel sur des points que j'estime importants. Par exemple, l'accueil des réfugiés syriens en 2015 dans les universités me semblait un point très important sur lequel je me suis engagée. J'ai participé activement au programme PAUSE. J'ai dirigé une thèse d'une étudiante syrienne arrivée en France et qui a pu soutenir sa thèse sous ma direction. Donc ce sont des questions sur lesquelles effectivement, je suis attentive et vigilante. J'aimerais peut-être cesser de parler de moi pour parler davantage maintenant du Conseil supérieur de la magistrature et des questions qui m'ont été posées. Alors, et puis je terminerai par vos questions qui montent en généralité sur les sources du droit, monsieur le Président. Effectivement, la question du rôle du Conseil supérieur de la magistrature est une question qui est débattue depuis fort longtemps, presque depuis sa création en 1883. Et finalement, à chaque fois, un équilibre a été trouvé à travers les différentes évolutions entre deux options qui sont des options extrêmes. Il y a d'un côté l'idée qu'un Conseil supérieur de la magistrature serait un organe corporatiste qui serait plus ou moins rattaché au ministère de la Justice et qui s'occuperait de la gestion des carrières administratives. Et de l'autre côté, la vision maximaliste qui ferait du Conseil supérieur de la magistrature un organe pleinement en charge de l'ensemble des attributions de la justice, c'est-à-dire le recrutement des magistrats, leur nomination, éventuellement leur rémunération,
proportion grâce à un pouvoir budgétaire. La France s'est toujours efforcée de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. L'équilibre auquel nous sommes parvenus me semble tout à fait satisfaisant. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution dont l'indépendance est reconnue. C'est une institution dont les attributions ont été progressivement augmentées, progressivement élargies. Alors, elles peuvent donner lieu à un certain nombre, parfois, d'insatisfactions. Vous attiriez l'attention de la Commission et vous m'interrogiez tout à l'heure sur notamment la procédure de saisine par les justiciables qui, à l'évidence, peine à produire ses fruits. Non pas que les justiciables ne saisissent pas le Conseil supérieur de la magistrature, hein, ils le saisissent en nombre. On a environ 400 plaintes par année, mais toutes ces plaintes sont déclarées soit irrecevables, soit manifestement infondées, parce qu'à l'évidence, la raison d'être de cette procédure n'est pas comprise et elle est utilisée par les justiciables davantage comme une voie de contestation des décisions de justice, une nouvelle voie de réformation des décisions de justice que une procédure disciplinaire, ce qu'elle est à l'évidence. Alors comment améliorer cette situation et faut-il augmenter les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature? Je réponds avec prudence devant une commission qui est composée de personnalités qui ont longuement travaillé à ce sujet et produit différents rapports qui contiennent des propositions en ce sens. Il me semble qu'effectivement, le pouvoir de consultation du Conseil supérieur de la magistrature sur les questions, par exemple, budgétaires, un pouvoir de consultation, pas un pouvoir de décision, un pouvoir de consultation sur les questions budgétaires ou un pouvoir de consultation sur les projets de loi qui concernent l'indépendance de la justice, pourrait être pertinent. Il me semble également, effectivement, ça relève du champ constitutionnel, mais nous sommes aussi à la Commission des lois constitutionnelles, c'est pour cela que je me permets de l'indiquer. Une réforme également peut-être de la nature même de la faute disciplinaire. Et j'ai bien conscience en disant ça que je m'avance sur un terrain qui est sensible, mais j'ai comme parti pris en tant qu'enseignante, en tant qu'universitaire, de quelquefois soumettre mes étudiants à un test et de leur demander de m'expliquer une disposition législative. Et si des étudiants de master ne sont pas capables de comprendre une disposition législative, vous pouvez être certain qu'un justiciable qui n'a pas une formation juridique sera totalement perdu par rapport à cette formulation. C'est donc, j'ai essayé de soumettre à mes étudiants cette définition de la faute disciplinaire du magistrat, et j'ai eu des interprétations tout à fait saugrenues. Donc il me semble que la rédaction même de la définition de la faute disciplinaire devrait gagner en lisibilité, de façon peut-être à pouvoir être mieux comprise et de ce fait à être invoquée de façon plus pertinente par les justiciables, ou du moins avec plus de succès. Vous m'interrogiez également sur la question des femmes au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Effectivement, j'ai regardé dans le mandat qui s'achève, il y avait 8 femmes sur 22 membres en tout, étant entendu que 3 des membres de ses membres avaient été nommés au titre de personnalité qualifiée. Donc c'est bien parce qu'il y a eu des efforts de la part des autorités de nomination et des textes en ce sens qu'on rencontre des femmes au sein du Conseil supérieur. Évidemment, la loi Sauvadet ne s'applique pas ni au Conseil supérieur de la magistrature, ni aux magistrats. Elle s'applique au ministère de la Justice, en revanche. Et ce que l'on constate, c'est que le ministère de la Justice a été un des seuls ministères condamnés pour non-respect de la loi Sauvadet, alors même que les effectifs dans la magistrature sont majoritairement féminins. La magistrature est à composer à 66% de femmes, et plus encore même chez les jeunes magistrats. Mais ce que l'on constate, c'est l'existence d'un plafond de verre qui fait que les femmes n'accèdent pas aux fonctions de chef de juridiction pour différentes raisons. Et le CSM déclare être vigilant sur le sujet. Mais je crois qu'effectivement, en la matière, il y a un certain nombre de choses à faire.
Sur, en dernier lieu peut-être, on doit finir à 10h. Vous avez autant de temps qu'il faut pour répondre aux questions. Très bien, je vous remercie. En dernier lieu, peut-être, oui, effectivement, vos questions, Monsieur le Président, sur les sources du droit et les interrogations, finalement, sur la place respective du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire ou du juge dans son rôle de formation et d'élaboration du droit. On entend effectivement régulièrement une expression qui est employée comme autant de critiques, c'est la crainte d'un gouvernement des juges, et l'expression « gouvernement des juges » est souvent employée sous forme d'anathème. Il me semble que le juge ne gouverne pas. Le juge ne gouverne pas, et y a deux raisons qui me conduisent à réfuter cette expression de gouvernement des juges, qui a une historicité et par ailleurs une pertinence peut-être dans d'autres systèmes. Le juge ne gouverne pas, d'abord parce que le juge a pour mission de dire le droit. C'est même le Code civil qui prévoit que le juge ne peut pas refuser de juger en cas d'obscurité de la loi. Il doit dire le droit. Et s'il ne faisait pas, il pourrait même être pénalement sanctionné, parce qu'il y a aussi une responsabilité pénale des magistrats. Les magistrats sont soumis au respect du Code pénal. Et il y a des incriminations spécifiques qui visent les magistrats, et notamment le déni de justice. Donc le magistrat qui refuserait de statuer en invoquant une obscurité, une complexité du droit, se rendrait coupable d'un déni de justice. Donc le premier élément de réponse d'ordre théorique, le juge ne gouverne pas, car c'est sa mission de dire le droit, c'est sa mission, et il le fait dans le cadre des attributions que la loi lui confère, c'est-à-dire que c'est la loi qui fixe le quantum des peines, c'est la loi qui fixe les attributions du juge des enfants, c'est la loi qui fixe les attributions du juge des affaires familiales quand il fixe le montant d'une prestation compensatoire. Et par ailleurs, il y a une autre considération qui me conduit à prendre beaucoup de distance avec cette expression de gouvernement des juges, indépendamment de cette explication théorique, c'est l'analyse pragmatique de la jurisprudence. Vous avez rappelé que j'ai publié récemment un ouvrage sur le rôle du juge face aux contentieux sociaux, aux contentieux environnementaux, c'est-à-dire la façon dont le juge est saisi d'une demande de justice, d'une demande de protection, du droit à la stabilité climatique, du droit à un environnement sain, du droit à des conditions de travail décentes, etc. Et donc j'ai effectué un panorama finalement de solutions étrangères et françaises. Et à chaque fois, ce qui était frappant, c'est que oui, il arrive effectivement au juge de condamner un État pour non-respect de ses engagements, et notamment de ses engagements internationaux au titre de la réduction des gaz à effet de serre. Oui, il arrive à un juge de condamner une entreprise pour manquement à son obligation de vigilance, manquement à son devoir de vigilance en matière de protection des droits des salariés, de ses sous-traitants. Oui, effectivement, le juge le fait. Mais à chaque fois, ce que l'on constate, c'est qu'il le fait en soulignant la marge d'appréciation du législateur et la marge d'appréciation du pouvoir politique. C'est-à-dire que quand la Cour européenne, par exemple, condamne un État pour ne pas avoir, pour avoir porté atteinte au droit au respect de la vie privée ou au droit à la vie, à chaque fois des références sont faites par le juge à la marge d'appréciation du législateur. Et c'est d'ailleurs un antienne vraiment très commun dans les décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne cesse de dire qu'il n'a pas de pouvoir d'appréciation semblable à celui du Parlement. Donc, on peut avoir l'impression, à travers une condamnation, on peut avoir l'impression qu'effectivement, il y a un juge qui s'arroge des pouvoirs qui ne sont pas les siens et qui se fait législateur à la place du législateur. En revanche, quand on lit la décision, on se rend compte que le juge est très respectueux des attributions du législateur. Et pour prendre juste un exemple et dépayser le débat, prendre l'exemple de l'Allemagne, quand l'Allemagne a condamné à annuler la loi de réduction des gaz à effet de serre et de réduction des émissions carbone, la loi allemande, la loi fédérale de 2021, le juge, donc le tribunal constitutionnel,
annule une partie de la loi en déclarant que c'est contraire aux droits des générations futures, contraire aux engagements de la Constitution fédérale allemande en matière de protection de la vie et de l'environnement. Il souligne, certes, il annule, mais il souligne que c'est parce que le législateur n'a pas épuisé l'entièreté de sa compétence, parce qu'il n'est pas utilisé toutes les attributions qui sont les siens en vertu de la loi fondamentale allemande. Et je trouve que il faut donc, pour répondre à votre question, dépasser les premières impressions, regarder en détail le dispositif des décisions. On voit que de la part du juge, il y a une grande prudence à l'égard du législateur. Par ailleurs, vous me demandiez également si quelle était la réciproque et quel était le rôle du législateur par rapport à l'autorité judiciaire. Bien évidemment, le législateur ou le constituant peut modifier une décision de justice qui lui semblerait contraire à l'intérêt général. Juste là encore, je prends volontairement un exemple très ancien de façon à dépassionner le débat. Mais rappelons-nous qu'en 2000, la Cour de cassation avait, à travers le fameux arrêt Perruche, avait dit qu'il existe un préjudice de vie qui peut être indemnisable et qu'un enfant né gravement handicapé peut engager la responsabilité d'un professionnel de santé qui n'a pas détecté le handicap in utero. La décision rendue par la Cour de cassation a suscité le débat et 2 ans plus tard, le législateur modifiait le code de santé publique en interdisant de tels fondements d'indemnisation. Bien, je constate qu'il n'y a plus de questions, donc je vais suspendre le temps de vous raccompagner et puis ensuite on procédera au vote. Je vous remercie. Oui, alors, simple précision, la rapporteure demandera son avis après que j'ai accompagné Madame Roman. Merci.
C'est bon ? Bien, on va pouvoir reprendre. Donc, on va reprendre. J'ai donné la parole à la rapporteure pour son avis et on resuspendra, mais là, quelques secondes pour passer au vote. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président. Alors, je dois dire que je reste sur ma faim. Ça ne vous surprendra pas, mais les réponses fort intéressantes apportées par Madame Roman ne m'ont pas fait changer d'avis sur mes deux interrogations. Tout d'abord sur le problème d'organisation pour qu'elle puisse exercer à 100% son activité au sein du CSM. Elle a indiqué qu'elle choisirait ses cours en fonction des créneaux qui lui resteraient. Cela me paraît surréaliste et totalement impossible. Et je maintiens que cela ferait supporter la charge de son organisation sur d'autres personnes. En disant cela, je réponds à une observation de notre collègue Garrido qui indiquait que certains d'entre nous, dont certains au sein de mon propre groupe, avaient effectivement une double activité. Je dois le dire en toute transparence, à titre personnel, j'ai également une double activité puisque je suis députée, je suis également avocate. Profession que j'exerce depuis 37 ans, mais je ne veux surtout pas faire reposer sur les autres le poids de cette charge. J'ai donc décidé, et je l'ai fait depuis que j'ai été élue, j'ai extrêmement diminué mon activité professionnelle et je me suis totalement séparée d'un pan de mon activité que j'exerçais avec passion depuis 37 ans, qui était le droit pénal, qui est, comme vous le savez, une activité extrêmement chronophage. Et pour ne pas faire supporter sur les autres cette charge, effectivement, j'y ai renoncé. Ce que ne fait pas Madame Roman, puisqu'elle a indiqué qu'elle demanderait une décharge, qu'il lui resterait certaines heures et qu'elle verrait en fonction de l'emploi du temps à l'université, des cours, des créneaux, pour effectivement s'organiser. En tout cas, elle ne dit rien. C'est l'avis de la rapporteure. Elle ne dit rien. Elle n'a rien indiqué sur l'activité recherche, qui est également un pan extrêmement important de son activité, universitaire. Voilà. Donc, deuxième point, et je n'ai pas non plus changé d'avis là-dessus, nous le savons tous, le CSM est, je l'ai dit, un organe fondamental de nos institutions, c'est un organe fondamental de notre démocratie. Ce qui est vrai, et ce qui est applicable à certains magistrats, enfin aux magistrats du siège, c'est-à-dire ce devoir de neutralité et partant d'impartialité, l'est d'autant plus pour les magistrats, pour les personnes qualifiées siégeant au CSM. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait, dans une démocratie, exiger d'un magistrat du siège qu'il soit neutre, qu'il soit impartial, et que l'on n'exigerait pas cette même neutralité, cette même impartialité de ceux qui sont appelés à juger ces mêmes magistrats. Ça n'est pas possible. Et alors, ça n'est pas une critique contre Madame Roman, pour qui je salue en tout cas son parcours. D'ailleurs, lorsque j'ai pris connaissance des 18 pages, des pages de réponse, j'ai à bien des endroits à noter OK, ce qui a fait dire à ma collaboratrice, vous êtes sûre que vous allez émettre un avis défavorable. Oui, je partage beaucoup des points de vue de Madame Roman, mais je ne postule pas aux fonctions de personnes qualifiées au CSM. Mes opinions ne regardent que moi-même. Mon côté militant ne regarde que moi-même. Et ça n'a pas d'incidence sur des pouvoirs juridictionnels et sur les pouvoirs de nomination d'autres magistrats. Voilà. Et je maintiens que, de par son activité militante, et il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, puisque Madame Roman se déclare militante de certaines causes, noble au demeurant, c'est son point de vue, c'est sa liberté. Mais c'est une militante de certaines causes, et je ne vois pas comment elle pourrait avoir cette neutralité et cette impartialité. Au regard de ces éléments, je donne un avis défavorable à cette nomination. Bien, donc, je vais suspendre et ensuite on fera la nomination du bureau pour le vote avec les scrutateurs.
Bien. On reprend en public cette fois-ci. Bienvenue devant la commission des lois, monsieur Loïc Cadier. On va procéder à votre audition pour votre nomination proposée par la présidente de l'Assemblée nationale en qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature. Je vais donner d'abord la parole à la rapporteure. Vous aurez ensuite le temps de dire un mot. Et puis les collègues qui souhaitent pourront vous poser différentes questions. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur Cadier, chers collègues. Monsieur Cadier, la présidente de l'Assemblée nationale a proposé votre nom pour siéger en tant que personnalité qualifiée au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, je ne reviens pas sur le rôle du CSM que vous connaissez parfaitement. Cependant, tout comme l'indépendance des magistrats du siège implique dignité, loyauté, impartialité, réserve, prudence, délicatesse, l'indépendance des magistrats du CSM, appelés à nommer les magistrats de l'ordre judiciaire, voire à les juger, implique un certain nombre d'obligations de comportement qui sont visées par la loi organique du 5 février 1994, disposition qui stipule que les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégralité et de dignité et veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Votre nomination au CSM en tant que personnalité qualifiée ayant été proposée par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, notre commission vous reçoit afin de vous auditionner et d'apprécier en conscience l'opportunité de vous nommer à ce poste. Monsieur Cadier, je souhaite en préambule revenir sur votre parcours professionnel. Vous êtes détenteur à la fois d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat obtenu à Angers, en 1978, d'un doctorat d'État en droit, ainsi que de l'agrégation de droit privé et de sciences criminelles. Vous avez débuté votre carrière à la faculté de droit d'Angers, et après être passé par Rennes, puis par Nantes, vous êtes aujourd'hui professeur à l'école de droit de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, mais également président honoraire de l'Association internationale de droit processuel. Parmi les nombreuses commissions auxquelles vous avez participé, vous avez, en 2021, co-présidé la mission sur la diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence confiée par la première présidente de la Cour de cassation. Dans votre rapport remis en 2022, vous préconisez notamment de favoriser la mise en œuvre d'une hiérarchisation au sein des décisions des juridictions mises à disposition du public pour valoriser les décisions rendues par la Cour de cassation. Vous êtes co-auteur de divers ouvrages relatifs au procès, à la justice, à la médiation, à l'arbitrage, au droit des contrats et à la responsabilité civile. Vous avez par ailleurs conçu et dirigé la rédaction d'un dictionnaire de la justice. Vous avez également assumé un certain nombre de missions institutionnelles et avez présidé le conseil scientifique de la mission de recherche droit et justice entre 2015 et 2019. Vous êtes également membre du Conseil scientifique de l'École nationale de la magistrature. Vous avez été missionné par Jean-Jacques Urvoas, alors garde des Sceaux, pour présider une mission d'étude et de préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice. Depuis 2007, vous occupez le poste de secrétaire général exécutif de l'Association internationale de droit judiciaire. C'est dire si la matière judiciaire vous intéresse. Avant de vous laisser la parole, je profite de mon temps de parole pour vous remercier pour les réponses écrites que vous nous avez fait parvenir lundi, ainsi que pour celles que vous nous apporterez dans le cadre de votre audition. Merci, madame la rapporteure. Monsieur Cadier, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous afin que vous puissiez vous prononcer sur la proposition faite par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de me nommer au Conseil supérieur de la magistrature en qualité de personnalité qualifiée selon les termes de l'article 65 de notre Constitution. Je ne vous cacherai pas le sentiment d'humilité et de gravité que j'en éprouve car j'ai bien conscience qu'il s'agit de veiller à ce que soient réunies les conditions qui puissent permettre à l'autorité judiciaire d'assurer sa mission de rendre exemplairement la justice au nom du peuple français dont vous êtes les représentants naturels. J'ajouterai que les auditoires universitaires ou professionnels me sont plus familiers que les assemblées parlementaires comme celle-ci, ce qui est assez intimidant. Cette proposition de me désigner n'allait pas de soi.
Bien que juriste, je n'appartiens pas au monde judiciaire. J'en ai été le premier surpris. Vraiment, cette surprise n'est pas rhétorique. Je conçois donc que vous puissiez légitimement vous interroger sur cette qualification particulière à justifier ma désignation comme membre du Conseil supérieur de la magistrature. Cette qualification est sans doute à chercher du côté du rapport que j'entretiens depuis un certain temps déjà avec notre système de justice, de sorte que si je suis en effet extérieur à ce système ne m'est pas complètement étranger. Ce rapport est personnel, ce qui ne présente guère d'intérêt. Il tient surtout à mon cursus académique et à mon parcours professionnel que vous avez rappelé, Madame la rapporteure. Je ne reviendrai donc pas sur ces éléments, sauf peut-être pour vous indiquer que, en qualité d'enseignant-chercheur, mes enseignements ont précisément porté sur le droit judiciaire privé, les modes alternatifs de règlement des conflits, la théorie générale du procès, les systèmes judiciaires comparés et ce que j'appelle le droit institutionnel de la justice. Alors, cette expression peut vous sembler un peu curieuse. Cette matière, en effet, n'est pas connue des programmes ordinaires d'enseignement des facultés de droit. Je la définis comme l'ensemble des règles et des pratiques juridiques relatives à la justice en tant qu'institution, ce qui va bien au-delà dans mon esprit de l'enseignement traditionnel des institutions judiciaires ou juridictionnelles. Cet enseignement traditionnel se limite en effet, vous le savez, à la manière dont les juridictions sont respectivement instituées, implantées, composées et à l'exposé de leurs compétences spécifiques, c'est-à-dire de leur objet propre. En revanche, absolument rien n'est dit sur la façon dont ces juridictions sont administrées. L'administration de la justice est la grande absente de l'enseignement des facultés de droit. Négligée à la fois par l'enseignement des institutions judiciaires, parce qu'il s'agit d'administration, mais aussi par l'enseignement du droit administratif, parce qu'il s'agit de la justice. C'est une sorte de boîte noire, de face cachée. Or, la justice est aussi une administration. La justice est aussi une administration à part entière, que son objet particulier conduit seulement à traiter à part, car le service public de la justice est une administration au soutien de l'activité juridictionnelle, qui est une fonction étatique constitutionnellement réglée au titre de l'autorité judiciaire. La première question du questionnaire que vous m'avez soumis porte sur le point de savoir dans quelle mesure mon parcours est susceptible de m'être utile pour l'accomplissement des missions dévolues aux personnalités qualifiées membres du CSM. Il me semble l'être à deux égards. D'un point de vue administratif, tout d'abord, je n'ai certes jamais été président d'université ni même doyen de faculté, par choix personnel, mais j'ai exercé quelques fonctions administratives en lien direct avec les questions de recrutement, d'évaluation des compétences, de gestion des carrières et de déontologie. Cela a été un peu le cas avec la direction d'équipes ou de groupements de recherche associés ou non au CNRS. Cela l'a davantage été localement comme président de la section de droit privé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et nationalement, à d'autres titres que vous avez évoqués, Madame la rapporteure. J'ai en effet été membre du Conseil national des universités, section 01, puis du Comité national du CNRS, section 36, pendant 4 ans dans chaque fonction. J'ai également présidé le Conseil scientifique de la mission de recherche droit et justice, récemment devenu Institut des études et des recherches sur le droit et la justice. J'ai enfin participé à des jurys du concours d'agrégation des facultés de droit, 2 fois comme membre, en 90-91 et 2004-2005, et plus récemment en qualité de président en 2020-2021. Lors de ces expériences, j'ai été confronté, toute proportion gardée bien sûr, à des missions comparables à celles qui sont dévolues au Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi que je l'indique dans le questionnaire, 2 principes ont toujours guidé mon action dans ces différentes activités. D'une part, le choix de la bonne personne, en considération de ses seuls mérites, compétences, capacités
et dévouement dans l'exercice de l'intérêt général, dans la recherche de l'intérêt général. D'autre part, le respect strict des règles déontologiques dans l'exercice des missions d'enseignement et de recherche universitaire. Ce qui m'a conduit, par exemple, comme président du conseil scientifique de la mission de recherche droit et justice, à œuvrer immédiatement à l'élaboration d'une charte de déontologie destinée aux membres du conseil scientifique et aux chercheurs qui soumettaient des projets, ou encore, comme président du jury du concours d'agrégation de droit privé, à définir des règles de déport, d'abstention, allant au-delà de ce qu'imposent les textes applicables aux membres du jury. Mais il me semble que c'est surtout sur le terrain académique que mon parcours est susceptible de présenter quelque intérêt, s'il en présente. Mon activité d'enseignement, de recherche, de publication et d'expertise a été consacrée depuis de nombreuses années à l'étude des questions de justice dans l'ordre interne aussi bien que dans une perspective internationale. Je ne reviendrai pas ici sur les différentes informations en ce sens, contenues dans mon curriculum vitae et la liste de mes travaux et publications qui vous ont peut-être été communiquées. Cette étude, en tout cas, depuis plus de 30 ans maintenant, m'a permis d'observer les mutations à l'œuvre dans les systèmes de justice, singulièrement en France. Et trois phénomènes m'apparaissent particulièrement notables à cet égard, qui impactent directement l'activité des magistrats et qui sont loin d'être étrangers aux enjeux auxquels le CSM est confronté. Outre la montée en puissance des questions d'administration de la justice, que j'ai déjà évoquées et qui sont restées longtemps sous les radars de la doctrine universitaire, il s'agit d'une part du développement des techniques contractuelles au sens large, pas seulement dans la solution des litiges, mais aussi dans la gestion des procédures et l'administration de la justice. Et il s'agit en outre de l'émergence des nouvelles technologies numériques, phénomène extrêmement important, technologies numériques très sensibles à tous égards, depuis la simple communication par voie électronique jusqu'à l'open data des décisions de justice et aux différents systèmes algorithmiques d'aide ou de substitut à la décision qui peuvent en résulter. À cette dimension purement académique, j'ajouterais que au travail universitaire classique sur les dispositifs normatifs, leur application jurisprudentielle, leur interprétation doctrinale. Vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, ma participation à différentes missions d'expertise publique, voire de préfiguration législative ou réglementaire, m'ont donné l'occasion plus pratique d'entrer dans le cœur de la machine judiciaire en relation avec ses acteurs. Alors je ne sais si cela suffit à faire de moi une personnalité qualifiée. Il vous appartient d'en décider. Soyez en tout cas assurés, si vous m'investissez de votre confiance, que j'aurai à cœur de m'en montrer digne en m'investissant de mon côté complètement dans cette mission fondamentale au service de l'intérêt général. J'arrive d'ailleurs à une étape de ma vie où, d'une certaine manière, mais d'une certaine manière seulement, l'horizon se dégage. Après 48 ans de service public, dont 43 ans dans l'enseignement supérieur, je parviens en effet au terme de mon parcours universitaire. Je serai professeur émérite à partir du 1er mars prochain et n'aurai donc plus de service d'enseignement à assurer. Quant à mon activité de recherche et de publication, il me semble qu'elle peut être facilement ajustée aux exigences prioritaires d'une participation au Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, Madame la rapporteure, est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai deux petites questions. Allez-y. Alors, attendez. Voilà, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur Cadier, en page 9 de vos réponses aux questions, vous indiquez, sous forme de boutade, vous le dites vous-même, que le ministère de la Justice soit davantage le ministère des moyens et moins le ministère des réformes. Je vous reçois totalement sur ce point-là. Simplement, j'aimerais une précision, puisque quelques lignes plus loin, vous indiquez ceci. Quant aux réformes, je crois que les professionnels de la justice sont gavés de réformes. Je confirme. Il serait bon de refermer la longue séquence réformatrice ouverte il y a 8 ans, à l'exception cependant de la procédure d'appel en matière civile qui, 13 ans après sa réforme, suscite encore un contentieux beaucoup trop important. Alors, en tant que praticienne du droit civil, je dois dire que
Les réformes qui se sont succédées ces dernières années nous ont tous conduits au bord du suicide. Et notamment nous ont également conduits à faire des déclarations de responsabilité professionnelle au regard des délais que nous n'arrivons pas à respecter. J'aimerais savoir ce que vous entendez exactement par, à l'exception cependant de la procédure d'appel. Voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait d'autres réformes en matière de procédure d'appel, auquel cas bon nombre de professionnels de la procédure civile ne vont pas voir ça d'un bon œil, ou est-ce que vous souhaitez effectivement qu'on mette un coup d'arrêt à ces multiples réformes dévastatrices en matière de procédure civile? Deuxième question. Vous avez indiqué dans ce questionnaire et dans vos réponses que vous étiez favorable à ce que le CSM puisse se prononcer sur tout projet ou proposition de loi susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement des juridictions ou l'indépendance de l'autorité judiciaire. Comment, selon vous, s'articulerait cet avis du CSM avec l'examen du texte au Parlement ? Merci, Madame la rapporteure. Moi, j'ai également deux questions, outre le fait de souligner vos qualités intrinsèques d'être diplômée de la faculté de droit de Poitiers. Ce qui revient à celle que j'ai posée par ailleurs à votre prédécesseur sur ce siège. D'abord, j'aimerais savoir comment vous appréciez l'application de la séparation des pouvoirs aujourd'hui, et notamment les commentaires qui peuvent être faits d'une part par le législateur sur la qualité des jugements rendus par les magistrats ou l'autorité qu'il leur est conférée et de la façon dont elle est appliquée. Et puis d'autre part sur les appréciations qui sont rendues par les magistrats sur le travail parlementaire, y compris lorsqu'il est en cours et qu'il est inachevé. C'est ma première question. Ma deuxième question, elle est plus délicate naturellement pour le privatiste que vous êtes que pour la publiciste qui vous a précédé. Je voudrais savoir comment vous appréciez le fait que le magistrat soit une source créatrice de droit, au-delà même des fonctions qui sont les siennes en termes de contrôle, de conventionnalité et des traités, mais dans la façon dont il peut puiser dans les traités internationaux des objectifs, y compris non contraignants, et de les appliquer, ou en tout cas de les transposer en droit interne, quand on connaît la hiérarchie des normes qui en fait des normes supérieures à la loi, et la façon dont vous appréciez ça, ou donc vous regardez cet office, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, cet office du juge. Voilà les deux questions que je voulais vous poser également. On va faire un tour de la salle pour les collègues qui sont inscrits. J'ai pour l'instant une seule inscrite, pour être plus précise, en la personne de Madame Gisèle Lelouis pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cadier, le CSM s'est prononcé en ce début d'année pour le placement d'office d'un magistrat dont les expressions publiques sur les réseaux sociaux avaient pu faire naître un doute quant à sa neutralité. Est-il, selon vous, possible pour un magistrat de s'exprimer sur les réseaux sociaux ? Je vous remercie. Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Oui, moi, je voulais vous remercier de la présentation. Je pense que je peux parler, là ? Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président. Non, je voulais vous remercier, Monsieur le Professeur, donc, pour cette présentation. Très sincèrement, je n'ai pas lu votre questionnaire, au contraire de la précédente candidate, mais j'ai entendu ce que vous avez dit, vos préoccupations de déontologie, vos préoccupations sur l'absence de réformes qui viennent fortement alourdir le travail des magistrats. Nous sommes tous convaincus, effectivement, on y partage nos soucis. Pour autant, je pense quand même que des réformes sont nécessaires parce qu'il y a une adaptation à la société qui s'impose. Et je ne peux pas laisser dire quand même que nous ne pouvons plus envisager de réformes dans la justice. Et je voulais, à ce propos, vous avez, avec Jean-Jacques Urvoas, réalisé une mission sur l'ouverture au public des décisions de justice, qui est un vrai sujet, effectivement. Et je voulais savoir quelle suite avait été donnée finalement à cette mission, ou si c'est votre réticence finalement aux réformes qui pourraient venir encombrer la justice qui expliquerait que, pour ma part, je n'ai pas vu d'avancée sur un sujet qui est extrêmement important comme celui-ci. N'y voyez aucune impertinence dans mon propos, mais simplement une curiosité. Merci, Monsieur Hugo Bernalicis, pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation, Monsieur Cadier. Vous avez attiré mon attention sur la question d'administration de la justice et du droit des institutions judiciaires en tant que telles, pour y avoir consacré une petite attention dans une commission d'enquête dans la mandature précédente. Quelle conclusion vous tirez de l'impact de cette administration de la justice sur les décisions juridictionnelles ? Et est-ce que vous avez vous-même investigué sur...
l'administration du Conseil supérieur de la magistrature et comment faire évoluer cette administration au service de ses fonctions actuelles, à défaut d'envisager des futures. Eh bien, je crois que c'est tout pour les questions. Monsieur Cadier, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne les ai pas prises en note, donc il faudra me les rappeler, si vous le voulez bien. Madame la rapporteure, vous m'avez posé une question, me semble-t-il, d'abord sur la procédure d'appel. Dans mon esprit, il faut revoir le système de la première instance à la Cour de cassation. Mais pour le revoir, il faut mettre à plat, respirer, se reposer, évaluer et apprécier les bonnes solutions. C'est cela. Je crois qu'effectivement, il est important que l'on sorte de cet enfer que constitue la procédure d'appel avec ses délais couperets dont souffre terriblement depuis plus de 10 ans maintenant, non seulement les avocats, mais aussi les magistrats. Votre deuxième question, veuillez m'excuser. Oui, je disais, vous êtes favorable pour que le CSM puisse se prononcer sur tout projet ou proposition, effectivement, susceptible d'avoir un impact. Donc, comment est-ce que vous voyez l'articulation entre, effectivement, l'avis du CSM et l'examen du texte au Parlement? Voilà. Je n'ai pas spécialement réfléchi à cette question et je ne connais pas bien la procédure parlementaire, mais si cet avis doit être utile, il faut qu'il intervienne au bon moment dans la procédure parlementaire afin d'enrichir la réflexion et les travaux des assemblées parlementaires. Alors, je ne saurais vous en dire plus, évidemment, en ce qui concerne le timing précis et l'insertion précise de cet avis dans la procédure parlementaire. Monsieur le Président, vous aviez également deux questions. Donc, une première question sur la séparation des pouvoirs. C'est une question terrible, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, évidemment, c'est quelque chose de fondamental. C'est au cœur de notre pacte national avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Une société qui n'a pas de séparation de pouvoir ni de garantie des droits n'a pas de constitution. Mais la séparation des pouvoirs, il y a plusieurs manières de la concevoir. Nous avons une manière de la concevoir en France qui a d'ailleurs évolué depuis la Révolution française, qui n'est absolument pas la manière dont cette séparation des pouvoirs est conçue aux États-Unis ou la façon dont elle a été conçue depuis 2005 en Grande-Bretagne. J'ai pour ma part, mais là plus comme citoyen que comme professeur de droit, un souci de séparation équilibrée des pouvoirs. Je crois que dans une démocratie adulte, apaisée, débarrassée des séquelles monarchiques, il faut que les trois entités, alors qu'on les appelle pouvoir ou non, l'exécutif, le législatif et le judiciaire œuvrent ensemble au bien commun. Ce qui impose, me semble-t-il, pour les uns et pour les autres, un respect mutuel. Et avant même ce respect mutuel, évidemment, l'idéal, c'est que chacun de ces pouvoirs, entre guillemets, à supposer que le terme doit être généralement employé, puisse exercer ses missions dans la totalité de leurs aspects. Donc, un exercice plénier des trois fonctions étatiques et un respect mutuel par chaque fonction étatique de l'exercice de ses missions par les autres. Ce qui veut dire que je ne vois pas forcément d'un bon œil, effectivement, toute une série de commentaires intempestifs qui pourraient être faits sur les uns ou sur les autres. Chacun à sa place, chacun dans sa mission, qu'il lui appartient d'exercer le plus correctement possible au service de l'intérêt général.
Ensuite, vous avez une liste. L'office du juge par rapport au traité international. Oui. La Constitution est ce qu'elle est. L'article 55 est ce qu'il est. Les traités internationaux ont une force supérieure aux lois internes. Et le juge est tenu d'appliquer les normes dans le respect de la hiérarchie de ces normes. Mais je ne pense pas que le pouvoir créateur du juge soit né de l'article 55 de la Constitution. Hein, il remonte bien avant. Alors c'est vrai que Napoléon avait voulu enfermer le droit dans la loi et la loi dans les codes. Et le juge de cassation, le tribunal de cassation, était là comme un cerbère pour éviter que ne se développe une jurisprudence dont Robespierre ne voulait plus entendre parler. Cela étant, l'histoire du droit, et pas seulement l'histoire du droit public, l'histoire du droit privé aussi, montre que depuis le début du XIXe siècle, la jurisprudence a toujours existé, a toujours fait œuvre créatrice, tout simplement parce qu'il est fait obligation au juge, par l'article 5 du Code civil, de statuer, y compris dans le silence, l'insuffisance ou l'obscurité de la loi. Et de grandes théories jurisprudentielles ont pu, comme cela, être élaborées depuis le XIXe siècle. Donc le pouvoir créateur du juge, il est là. Il est là, mais c'est un pouvoir second, en quelque sorte. Car le législateur a toujours la possibilité, bien évidemment, de revenir sur une jurisprudence qu'il estimerait injustifiée. Il y avait des questions des collègues ? Il y avait trois. Madame Lelouis, Madame Montermeilleur et Madame Parisis. Madame, vous m'avez posé une question au sujet des réseaux sociaux, me semble-t-il. Vous savez, je crois qu'en toutes circonstances, le magistrat doit faire preuve de prudence. De prudence, de discernement, de réserve. Voilà. Alors, les réseaux sociaux existent. La plupart des juridictions supérieures et internationales se sont dotées de réseaux sociaux, ont des comptes Facebook. Ça peut être utile pour faire passer une communication de type institutionnel. Mais en aucun cas, me semble-t-il, un réseau social ne doit permettre à un magistrat d'exprimer une opinion qui serait susceptible de jeter un doute sur les qualités que l'on attend de lui en termes d'indépendance, d'impartialité et de neutralité. Je vais vous faire une confidence. Je ne suis aucun réseau social, c'est quelque chose que je n'aime pas trop, d'où le caractère peut-être un peu sévère de ma réponse. Il y avait Madame Intermédiaire et M. Bernalicis, en dernière question. Oui. Alors les suites sont arrivées. Les suites sont arrivées. Elles ont mis du temps à arriver, c'est vrai. Puisque cette mission de préfiguration, il a fallu attendre 2 ans pour que le décret qui en était l'objectif soit adopté, soit publié au JO. Mais ça a été fait. Et il y a dans le code de l'organisation judiciaire ainsi que dans le code de justice administrative un certain nombre de dispositions qui viennent mettre en musique, si je puis dire, l'open data des décisions de justice, qui est donc entré maintenant dans sa phase active, aussi bien pour ce qui est de la juridiction administrative que pour ce qui est de la juridiction judiciaire, puisque les arrêts de la Cour de cassation sont en open data, ils étaient déjà très largement accessibles. Depuis le mois d'avril dernier, les arrêts des cours d'appel sont en open data aussi. Et jusqu'en 2025, vont venir progressivement alimenter le fonds de données ouvertes, les jugements des juridictions de première instance. C'est un défi colossal, considérable. Madame la rapporteure, vous évoquiez la nécessité d'une classification. Oui, en effet, parce que l'open data, les données ouvertes, plus de 2 millions de décisions... ça va être un magma informe. Ce n'est pas la jurisprudence.
c'est le contentieux. La jurisprudence suppose que l'on puisse mettre en relief un certain nombre de décisions qui sont susceptibles de servir de modèle, justement. Et c'est la raison pour laquelle il faudra bien séparer ce qui est anecdotique de ce qui est important, d'où effectivement la nécessité de mettre un peu d'ordre dans ce désordre, car c'est cet ordre qui sera la matière de la jurisprudence. Je crois que j'avais une dernière question de M. Paris et c'est le maire d'Alessis, M. Bernard Alessis, pardon, à laquelle vous n'avez pas répondu. Veuillez m'excuser, monsieur. Non, je n'ai pas spécialement réfléchi à l'administration du Conseil supérieur de la magistrature lui-même. En revanche, pour ce qui est de l'administration de la justice, oui, un peu. Vous savez, il y a eu tout un débat il y a 3 ans lorsqu'il s'est agi de faire rentrer dans le code de l'organisation judiciaire l'épithète public, service public de la justice ou service de la justice. Vous savez ça mieux que moi. Ce débat en dit long l'inquiétude qui se manifeste et se développe quand on essaie de dire, de montrer et de convaincre que la justice ne se réduit pas aux procédures juridictionnelles, la justice ne se réduit pas aux décisions de justice. Ces décisions de justice, ces procédures juridictionnelles ne seraient rien s'il n'y avait en dessous ou à côté toute une série de processus administratifs qui en permettent la réalisation. Donc, il faut prendre au sérieux l'administration de la justice. Il y a de l'immobilier, il y a de l'équipement, il y a des ressources humaines, il y a des fluides, il y a tout, tout ce qui fait une administration. La question est seulement de savoir qui doit administrer, comment administrer, avec cet objectif de faire en sorte que l'administration de la justice soit au soutien de l'autorité judiciaire, afin que les magistrats puissent exercer leur mission dans l'intérêt général, qui est d'assurer le respect des lois et surtout d'œuvrer à la paix sociale, d'œuvrer à la paix civique. Ce que Paul Ricoeur appelait la finalité longue du jugement, faire prendre conscience à chacun des protagonistes que l'autre appartient à la même société que lui. Voilà, ça c'est extrêmement important. Merci. Monsieur Guéparis. Pour le groupe Renaissance. J'ai le micro, monsieur. Merci à vous. À défaut de réforme constitutionnelle, la France est un pays avec de multiples particularités, spécificités. Il y en a deux dans le monde judiciaire qui attirent classiquement l'attention. C'est celle du parquet. Le statut, le rôle, l'indépendance du parquet, tous les parquetiers sont des magistrats. Sont-ils pour autant, quelle est la notion d'indépendance qu'on peut y attacher? Si vous avez un regard sur cette question qui est finalement assez peu traitée dans les états généraux de la justice, et pour cause, parce qu'on a l'élément fondamental du bloc constitutionnel qui n'est pas mis en place. Deuxième question un peu de même nature. Autre spécificité, la Cour de justice de la République. Est-ce que vous avez sur l'un ou l'autre de ces thèmes des éléments de réflexion qui pourraient, si je puis me permettre, faire encore avancer la position dans le cadre d'un droit constant en matière constitutionnelle, s'entend. Je pense en particulier sur le parquet. On sait très bien comment fonctionne la vision hiérarchique descendante. On voit un peu moins bien comment fonctionne la vision hiérarchique montante, notamment les signalements, dont mon collègue Hugo Bernalicis et moi-même avons beaucoup étudié dans le cadre d'un rapport sur l'indépendance de la justice. Est-ce que vous avez une vision précise sur ces questions-là qui nous permettrait, encore une fois à droit constant, de faire évoluer le dispositif pour le rendre plus efficace, plus efficient en termes d'indépendance, en termes de transparence, en termes d'efficacité, finalement, du fonctionnement de la justice? Merci à vous. Merci, si vous voulez répondre. Merci, monsieur le député. Sur la Cour de justice de la République, je n'ai pas
d'opinion particulière. Je constate que la suppression en est demandée depuis longtemps, qu'elle avait été envisagée par un certain nombre de projets de révision constitutionnelle. La question est de savoir, et c'est là où peut-être ma pensée n'est pas suffisamment développée, la remplacer par quoi ? Car il y a malgré tout une spécificité qui s'attache à la prise de décision publique. Et cela, on ne peut pas le gommer, on ne peut pas l'effacer. Donc ça demande sans doute des précautions particulières, pas forcément en termes de juridiction compétente, mais à tout le moins en termes de procédure applicable. Quant à la première question, là aussi, je crains de ne pas avoir d'idées très originales. Tout a été tellement dit et redit. Il n'y a pas grand-chose, c'est vrai, dans le rapport issu des États généraux de la justice, mais il y en avait tellement avant. À partir du moment où on adopte un modèle de ministère public qui est le modèle du magistrat, ce n'est pas le seul. Il peut y avoir le modèle du fonctionnaire. Il peut y avoir le modèle de la partie privée poursuivante. Mais à partir du moment où on adopte le modèle du magistrat, eh bien, il faut bien que le ministère public bénéficie des garanties dont bénéficie tout magistrat. Seulement, les magistrats du parquet ne sont pas dans la même position que les magistrats du siège, évidemment, parce qu'ils appliquent une politique pénale qui fait partie de la politique définie et conduite par le gouvernement. Et puis, le ministre de la Justice fait rapport chaque année de politique pénale au gouvernement, au Parlement. C'est l'article 30 du Code de procédure pénale. Donc il y a là des spécificités, effectivement, du statut du parquet qui conduisent à des aménagements de ce statut constitutionnel qui ne peut pas être purement et simplement aligné sur celui des magistrats du siège, me semble-t-il. Bien, mais je vous remercie pour votre introduction. Je vais vous raccompagner. Ensuite, la rapporteure donnera son avis avant qu'on procède au vote. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés. On va pouvoir reprendre l'avis de Madame la rapporteure. Alors attendez juste qu'on ait rétabli la vidéo. Voilà, c'est bon, la vidéo est rétablie. Vous pouvez donner votre avis, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, ça n'est pas le même profil que celui que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais c'est un profil... Alors d'abord, les qualités universitaires, les qualités professionnelles sont identiques. Et c'est un profil pour lequel je vais donner un avis favorable. D'abord parce qu'il a une totale disponibilité. À la différence de Mme Roman, les choses sont claires. Il est totalement disponible pour exercer à temps complet la mission de membre du CSM. Ça n'est pas rien. Et ensuite, deuxième élément qui milite en faveur de cet avis favorable, c'est qu'il a un profil qui affiche une neutralité. Pour cette fonction, encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me paraît être un préalable absolument indispensable, qu'il y ait une neutralité affichée. La neutralité est affichée, je n'ai rien d'autre à dire que avis favorable.
Bien, et donc nous allons suspendre pour pouvoir procéder au vote.
Bien, on va reprendre. Et pour procéder à l'audition, toujours en application de l'article 13 de la Constitution, de M. Christophe Palaise, dont la nomination est proposée en tant que membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et proposée donc par la présidente de l'Assemblée nationale en remplacement de M. Daniel Ojdez. M. Palaise, vous ne serez pas dépaysé de revenir à l'Assemblée nationale. Vous avez exercé ici pendant plus de 40 ans, dernièrement en qualité de secrétaire général de la Questure et puis comme déontologue jusqu'en décembre dernier. Cette proposition de nomination est au rapport de M. Yann Boucard pour le groupe Les Républicains. Il vous a, comme toutes les autres propositions de nomination, adressé un questionnaire, dont les réponses ont été également adressées aux membres de la Commission et mis en ligne sur le site de l'Assemblée. Je précise que pour cette nomination, l'article 19 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit que le candidat, en l'occurrence vous, doit réunir une majorité positive des 3/5 des suffrages. La procédure se distingue de l'article 13 de la Constitution. Et avant de vous donner la parole pour l'introduction, je donne la parole au monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Christophe Palaise. Nous sommes donc réunis ce midi pour donner notre avis en application de l'article 29, alinéa 1 de notre règlement sur une proposition de nomination par la présidente de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente propose donc de désigner Monsieur Christophe Palaise en tant que membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la fameuse HATVP. Notre Assemblée est désormais familière de cette institution créée par la loi du 11 octobre 2013. C'est une familiarité réciproque, puisque la Haute Autorité connaît presque tout de nous, nos intérêts, notre patrimoine ou encore les actions de lobbying dont nous faisons l'objet. Je dis cela avec bienveillance, car après bientôt 10 années d'existence, il me semble que la HATVP a grandement participé à l'amélioration de la transparence que les élus de la nation doivent aux citoyens. Nous oublions parfois d'où nous venons en la matière et il faut rappeler à nos concitoyens les efforts immenses qui sont menés pour lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts dans notre pays. Preuve de la confiance qu'il accorde à la HATVP et de l'importance qu'il donne aux questions de déontologie, le législateur a élargi les compétences de cette institution. D'abord à l'occasion de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, qui a confié à la HATVP la mission de contrôler les représentants d'intérêts. Puis la loi pour la transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a dissous dans la Haute Autorité la commission de déontologie de la fonction publique. La HATVP assure donc désormais le contrôle des mobilités entrantes et sortantes des hauts fonctionnaires, ce qui est essentiel pour éviter les délits d'initiés. Dans la foulée, le collège de la HATVP est passé de 9 à 13 membres, ce qui reste finalement assez peu compte tenu du nombre de dossiers qui sont à traiter. Enfin, depuis le 1er juillet 2022, la Haute Autorité contrôle également les représentants d'intérêts qui exercent leurs activités auprès des collectivités de plus de 100 000 habitants. La HATVP est au cœur du débat public, notamment lorsqu'elle signale des situations de conflit d'intérêts ou qu'elle s'oppose à la reconversion de tel ou tel ministre. Il est régulièrement question d'étendre ses missions et nos collègues sénateurs ont d'ailleurs récemment adopté une proposition de loi pour que la Haute Autorité puisse contrôler le recours au cabinet de conseil. Le groupe majoritaire pourra d'ailleurs peut-être nous éclairer sur les suites qui seront données à cette initiative, qu'à titre personnel je trouve excellente. En un mot, la responsabilité de cette autorité est immense et il est de notre devoir de nous assurer que les membres de son collège en sont à la hauteur. Et je le dis sans faux suspense, M. Christophe Palaise, votre parcours semble vous destiner à la fonction que le président de l'Assemblée nationale souhaite vous confier. D'abord, vous êtes un fin juriste. Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d'un master en droit public, vous avez longtemps été administrateur à la commission des lois de l'Assemblée nationale avant de devenir directeur des services législatifs. Ensuite, vous êtes un très bon connaisseur de nos institutions. Votre carrière à l'Assemblée vous a mené aux fonctions de secrétaire général des services administratifs de 2014 à 2020. Le rôle et les contraintes nombreuses des mandats d'élus vous sont familières, ce qui est évidemment essentiel à ce poste. Vous connaissez également l'organisation des autorités administratives indépendantes, puisque vous avez été secrétaire général de la CNIL de 2002 à 2006. Enfin, vous avez une grande expérience des questions de déontologie. Depuis le 1er janvier 2021, vous exercez en effet les fonctions de déontologue de l'Assemblée nationale. Cette mission vous a amené à connaître de nombreuses situations, à conseiller les élus que nous sommes, car les règles applicables ne sont pas toujours évidentes à appréhender tant elles peuvent être modifiées, modifiables, et à vous intéresser à des enjeux que vous retrouverez au sein de la HATVP. Je pense notamment à la question de plus en plus prépondérante des représentants d'intérêts. Vos rapports annuels d'une grande précision montrent que vous avez réfléchi à la place de la déontologie dans nos institutions et cela sera précieux pour la HATVP. Je conclurai ce portrait en rappelant que vous serez amené à remplacer un autre de vos anciens collègues, M. Daniel Ojdez, que je souhaite remercier au nom de notre commission pour son investissement auprès de la Haute Autorité. Il me semble louable que les fonctionnaires de notre institution, l'Assemblée nationale, dont les fonctions appellent une grande neutralité et une bonne connaissance du travail des élus, soient présents au sein de la Haute Autorité. En tant que rapporteur, je vous avais adressé un certain nombre de questions portant à la fois sur votre personnalité et sur votre vision du rôle de la Haute Autorité dans notre organisation institutionnelle. Je vous remercie d'y avoir répondu de manière détaillée dans des délais aussi brefs. Pour ouvrir les débats, je vous poserai deux questions qui me sont venues à la lecture de vos réponses. Premièrement, la Haute Autorité réalise finalement assez peu de signalements,
au vu du nombre de dossiers qui sont traités. Est-ce selon vous la preuve de son efficacité et du caractère préventif de son travail, ou à l'inverse d'un manque de moyens pour contrôler tant les élus que les fonctionnaires ou les représentants d'intérêt? Deuxièmement, est-ce qu'au terme de votre longue expérience au sein du Parlement, d'ailleurs plus longue que celle d'une partie des élus qui composent cette commission, avez-vous le sentiment que le rapport des élus à la déontologie a changé? Et à vos yeux, quels sont les principaux progrès restant à réaliser pour améliorer, je le disais tout à l'heure, ce lien de transparence que nous, élus, devons aux citoyens français? Je vais laisser désormais la parole à mes collègues qui ont également été destinataires de mes questions ainsi que de vos réponses. Et je termine en remerciant M. François Joly, administrateur de la Commission des lois, pour son aide précieuse et efficace, notamment pour la rédaction du questionnaire. Je vous remercie. Merci. M. Christophe Palès, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Rapporteur des appréciations que vous avez portées sur mon parcours. Merci également aux membres de la Commission d'être présents pour cette audition après deux autres exercices qui vous ont occupé depuis le début de la matinée. Je voudrais également en profiter pour remercier la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun-Pivet, de m'avoir proposé pour être membre de la HATVP et d'avoir ainsi l'occasion d'être entendu par votre commission. Comme le rapporteur l'a signalé, cette audition a pour moi une saveur toute particulière, puisqu'il y a plus de 30 ans, j'ai été affecté comme administrateur à la commission des lois et j'y ai passé de très belles années, notamment pour travailler sur les questions de sécurité, mais aussi sur le droit de l'informatique. Évidemment, je n'aurais pas imaginé qu'un jour, je serais entendu par la commission. En ce qui concerne mon parcours professionnel, il a été évoqué par le rapporteur, donc je vais être assez bref, pour signaler, insister sur le fait que j'ai travaillé pendant de nombreuses années à côté des députés dans le travail législatif, à la commission des lois, mais aussi comme chef de secrétariat de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Après cette fonction, j'ai été effectivement mis à disposition de la CNIL pour y être secrétaire général et que c'est une mobilité très fructueuse pour moi car elle m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une autorité administrative indépendante avec un collège dont la composition d'ailleurs n'est pas sans parenté avec celui de la haute autorité, à l'exception notable de l'absence de parlementaires. Et dans ce passage à la CNIL, j'ai été particulièrement sensibilisé à la question des sanctions que peut prendre une autorité indépendante. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga du travail d'une autorité indépendante, mais c'est un attribut, je pense, important. En effet, j'ai été appelé à mettre en œuvre administrativement la loi de 2004 qui modifie la loi informatique et liberté, qui a doté pour la première fois la CNIL d'un pouvoir de sanction. Quand je suis revenu à l'Assemblée, j'ai repris ma carrière donc, législative, si je puis dire, comme chef du secrétariat de la commission des affaires économiques et du développement durable. C'est, à l'époque, c'était une commission aux effectifs importants, voire démesurés. Puis j'ai été donc, directeur des services de bibliothèque, de la séance. Et à partir de 2013, donc, ma carrière a pris un tour un peu différent puisque j'ai quitté le pan législatif de l'administration parlementaire pour m'occuper de l'intendance, au sens gaullien du terme, si je peux me permettre, c'est-à-dire donc l'autre versant de l'administration parlementaire, les services dits administratifs, la questure. Donc j'ai été d'abord directeur général, puis ensuite pendant 6 ans secrétaire général de la questure, et donc premier collaborateur des questeurs, ce qui me permet de saluer le questeur Ciotti avec qui j'ai travaillé étroitement. Donc les questeurs à qui chaque semaine j'ai eu à présenter les dossiers soumis à leur décision, qui sont d'une grande variété, puisqu'ils vont de l'attribution d'un marché de plusieurs millions d'euros à la fixation des horaires à la buvette parlementaire. C'est une tâche passionnante parce qu'elle embrasse tous les domaines de la gestion de ce que j'ose appeler notre belle maison. Le budget, les bâtiments, le régime social, l'informatique, les ressources humaines, la logistique. Mais finalement, la mission fondamentale des questeurs et des services qui les assistent, c'est de mettre à la disposition des députés les moyens matériels qui leur permettent d'exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Précisément,
la question de savoir dans quelles conditions, dans quelles limites, pour quels usages ces moyens sont fournis, sont des problèmes de gestion financière, d'organisation administrative, mais aussi ce sont des problèmes de déontologie. Car il s'agit de s'assurer que ces moyens sont mis exclusivement au service du mandat parlementaire. Comme vous le savez, la création en 2017 de l'avance de frais de mandat en remplacement de l'IRFM a constitué un changement majeur, puisque les règles d'utilisation ont été définies avec précision et que les dépenses ont été soumises à un contrôle indépendant, celui du déontologue. J'ai été associé étroitement à la mise en place de cet encadrement qui a été opéré par les casteurs et par le bureau. Et j'ai été également associé à l'installation d'un déontologue doté de pouvoirs de contrôle et surtout d'une équipe de contrôleurs. C'est pourquoi, connaissant bien ce dispositif, j'ai accepté avec enthousiasme, au moment où je devais prendre ma retraite, la proposition du président Richard Ferrand de devenir déontologue de l'Assemblée nationale pour finir le mandat de 5 ans que ma prédécesseure avait choisi d'interrompre pour des raisons personnelles. Ce mandat est donc arrivé à expiration le 31 décembre dernier, en application de deux règles extrêmement sages qui figurent au règlement de l'Assemblée nationale, le caractère non reconductible du mandat, aussi le fait que le déontologue termine son mandat 6 mois après le début de la législature, ce qui m'a permis de participer à l'accueil et à l'information des nouveaux députés sur les questions déontologiques, ainsi qu'à l'opération très importante à mes yeux de restitution du solde non utilisé de l'AFM en fin de mandat pour les députés de la 15e législature. Monsieur le rapporteur, dans le questionnaire écrit, vous m'avez interrogé sur les enseignements que je tire de mon expérience de déontologue. C'est une question extrêmement vaste et j'ai mis dans ma réponse écrite l'accent sur deux points que je rappelle. Un diagnostic général rejoint d'ailleurs la question que vous venez de me poser par oral, un diagnostic général sur le fait que les élus, à mon sens, se sont très bien approprié les règles déontologiques. C'est à un niveau qui me paraît très satisfaisant que le réflexe déontologique, qui est un réflexe qui consiste à s'interroger avant de prendre certaines décisions, de faire certains actes dans le travail parlementaire, est bien ancré chez les députés. J'ai des éléments, mon expérience de déontologue m'a apporté des éléments à la fois subjectifs d'appréciation, mais aussi objectifs pour étayer ce constat. Et puis, une nécessité de bon sens qui ressort aussi de mon expérience, c'est la nécessité du contrôle à côté du conseil et de la pédagogie. Au regard de ce dernier élément, je voudrais souligner que le contrôle des frais de mandat mobilise environ à 80% les ressources humaines qui sont affectées aux déontologues, l'équipe de fonctionnaires qui travaille à ses côtés, mais que la part du conseil est extrêmement importante, particulièrement en ce début de législature, puisque en 6 mois, j'ai répondu par courrier à 850 interrogations et j'ai eu 143 entretiens avec des députés en face à face dans mon bureau. Donc ça a été une tâche importante je voulais le souligner. Le contrôle de l'AFM n'a pas été le seul sujet de mon mandat déontologue, puisque les missions de déontologue portent aussi sur la prévention des conflits d'intérêts, leur traitement, la surveillance des représentants d'intérêts à l'Assemblée nationale, la déclaration des emplois familiaux, la transmission des attestations fiscales en début de mandat, également les imputations de harcèlement moral et sexuel concernant les députés et collaborateurs, et pour finir, la déontologie des fonctionnaires et contractuels de l'Assemblée. Je l'ai dit dans mon rapport annuel, je le redirai dans le rapport que je vais publier prochainement. Ces missions ne recouvrent pas ces dernières missions ne recouvrent pas des situations très nombreuses et les cas où j'ai eu à intervenir sont rares, mais ils sont souvent très, très délicats.
le rappel des missions de déontologue me conduit naturellement à vous dire que je vois ma nomination à la haute autorité. Si votre commission veut bien donner son accord, comme un prolongement de mes fonctions de déontologue et une manière de poursuivre une activité qui s'est avérée encore plus passionnante que je n'aurais imaginé au départ. Même si je suis conscient que entre déontologue et haute autorité, il y a des différences sensibles, évidemment, dans le périmètre des conférences, des compétences et aussi dans le caractère collégial du fonctionnement de la haute autorité. Je pense aussi que le travail d'ontologue m'a permis de connaître quelque peu le fonctionnement, le travail de la haute autorité, puisqu'il y a un certain nombre de formes d'articulation entre les deux organes. Je me suis permis, à la demande du rapporteur, de porter des appréciations sur un certain nombre d'éléments du fonctionnement de la haute autorité, dans les grands domaines qui sont les siens, la prévention des conflits d'intérêts, la mobilité privée-publique, la régulation des représentants d'intérêts. Ces appréciations, que je ne reprendrai pas maintenant, repose à la fois sur les constats que j'ai pu faire moi-même et puis sur, évidemment, les constats émis par la haute autorité elle-même dans ses rapports et par son président Didier Migaud dans ses interventions publiques. Le sentiment que j'ai exprimé, c'est celui d'une forte légitimité que s'est acquise la haute autorité dans la problématique de la confiance, ou malheureusement plutôt de la défiance des citoyens à l'égard des responsables publics. Je pense que pour assurer la transparence de la décision publique et garantir la probité des acteurs publics, la haute autorité est incontournable. Néanmoins, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire quand je regarde en particulier les ratios entre le nombre de personnes assujetties à un contrôle et le nombre ou la profondeur des contrôles. Il y a certainement quelques insuffisances qui tiennent notamment aux moyens dont dispose, aux ressources dont dispose la haute autorité. Donc il y a du travail à faire, et c'est pourquoi je trouve tout à fait exaltante la perspective de rejoindre une institution qui, après 10 ans de fonctionnement et aussi de transformation, a acquis une crédibilité incontestable, mais qui a encore du chemin à faire. Simplement pour répondre plus précisément à une question donc posée par le rapporteur sur les signalements. Donc effectivement, le signalement n'est pas le mode opératoire principal de la haute autorité, me semble-t-il. Il y a un certain nombre de signalements qui sont faits, notamment sur les infractions formelles, mais ils sont assez inefficaces, la haute autorité le constate elle-même. Les signalements pour des affaires effectivement plus graves sont assez rares, heureusement. Ils sont une arme suprême. Je pense qu'ils témoignent à la fois du petit nombre de situations vraiment très, très caractérisées d'infractions que la haute autorité peut rencontrer, mais aussi du fait que l'étendue de ces contrôles reste encore à améliorer. Voilà, merci monsieur le président. Merci. Bon, d'abord, moi j'aimerais vous dire que je me félicite des règles communes que nous avons adoptées, qu'il s'agisse de la loi de 2017 et des décisions du bureau également de la même année, puisque lorsqu'on regarde et lorsqu'on se compare avec d'autres parlements, y compris par rapport aux institutions européennes, je pense que la France n'a pas à rougir de la façon dont elle traite les questions déontologiques, voire même les questions d'intérêt ou de patrimoine, puisque naturellement, alors c'est en réaction à certains scandales nationaux, mais en tout cas, c'est une illustration aussi d'un certain travail. Moi, j'aurais certainement une question à vous poser, puisque d'abord, il y a un édifice qui est désormais assez complet, issu des textes légaux et des règlements de l'Assemblée, comme je viens de le décrire, qui montre une certaine robustesse. Est-ce que au moment de votre nomination, vous avez le sentiment que l'équilibre normatif est trouvé? Est-ce que vous estimez qu'il y aurait encore des dispositions à renforcer? Et notamment, on regarde, y compris, de la fuite en avant d'une certaine transparence qu'on demande sans cesse, puisque, y compris pour des efforts qui ont été accomplis, il n'en est pas donné profit aux parlementaires, je pense, puisque c'est un débat d'actualité. Qui sait aujourd'hui que les parlementaires ont mis un terme, en tout cas les députés ont mis un terme à leur régime spécial de retraite?
et pourtant c'est le cas depuis novembre 2017. Qui sait que nous sommes aussi étroitement contrôlés sur les dépenses qui sont celles de l'AFM ? Et qui sait encore les obligations qui sont les nôtres, sans compter celles qui incombent à l'exécutif, sur la question des intérêts ou sur les règles de déport qui s'appliquent à nous, notamment par rapport à nos fonctions précédentes. Elles sont encore plus drastiques à l'égard des personnes qui officient dans les cabinets ministériels, et c'est légitime. Mais pour le coup, ma question est, d'une certaine façon, et si je devais la caricaturer, trouve-t-on aujourd'hui la limite de la question de notre législation, de nos normes en termes de transparence ? Et le cas échéant, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pensez des évolutions qui pourraient venir sur ce sujet ? Ça, c'est ma question. J'ai donné quelques-unes en supplémentaire. J'ai Madame Béatrice Rouleau pour le groupe Rassemblement National. Allez-y. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Christophe Pallès, vous venez d'être proposé par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour rejoindre les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous avons été très attentifs aux documents qui nous ont été transmis lors de votre audition. Votre parcours montre votre intérêt et une implication certaine pour cette belle maison qu'est l'Assemblée nationale. Vous avez, durant votre mission, en qualité déontologue au sein de celle-ci, eu à connaître de nombreux dossiers. Il faut savoir que la Haute Autorité a traité en 2021 642 sollicitations de parlementaires et membres du personnel de l'Assemblée nationale, 114 entretiens individuels et contrôlé 218 députés. Si, comme vous le précisez, l'expérience de déontologue aiderait à votre nouvelle mission, par une connaissance approfondie de cet organisme qu'est la Haute Autorité, elle soulèverait néanmoins un problème. En effet, vous avez nécessairement, dans vos précédentes fonctions, eu connaissance d'éléments confidentiels de certains députés. Pour nous rassurer sur l'exigence d'impartialité, vous indiquez que vous vous déporteriez de tout dossier impliquant un député en exercice pendant les trois dernières années. Sans mettre en doute ces dernières affirmations, pouvons-nous à notre tour oser la question suivante ? Quelles garanties auraient les députés sur ce déport et sur l'impartialité qui serait la vôtre ? Ne pensez-vous pas que cette nomination serait de nature à faire peser un doute sur votre impartialité et votre indépendance dans l'institution ? Vous énumérez les points que vous souhaiteriez voir renforcés et vous ciblez justement la probité jusqu'à vouloir changer le nom de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en la renommant Haute Autorité pour la probité. Mais pensez-vous alors que votre nomination soit en droite ligne avec la vision que vous avez d'une haute exigence en matière d'impartialité ? Pouvez-vous nous rassurer sur ce point ? Merci, Monsieur Jean-Pierre Pont, pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. D'abord, un petit désaccord avec Monsieur le rapporteur quand il affirme que la HTPV connaît presque tout, moi je dirais totalement tout, sur non seulement la vie publique, mais la vie privée. Et on regarde quand même qu'il y a quand même relativement de peu de contentieux, mais cela n'enlève pas la défiance que la population a envers les hommes politiques. Par contre, vous dites que vous demandez à faire plus, mais comment faire plus et pourquoi faire plus ? Merci. Monsieur Éric Ciotti, pour le groupe Les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, plus qu'une question, c'est plutôt un témoignage. Moi, je veux me réjouir de la proposition de Madame la Présidente Braun-Pivet de souhaiter nommer Christophe Pallès à la HATPV. Je peux témoigner en tant que questeur et ayant travaillé avec M. Pallès comme secrétaire général de la questure, d'abord de sa parfaite connaissance de l'institution parlementaire, et je crois que dans les fonctions qu'il aura occupées, c'est important, de la connaissance, je dirais, bienveillante qu'il porte à notre institution, puisqu'il a servi au plus haut niveau et avec rigueur, intégrité et forte compétence, et dire que c'est un atout, je pense, d'avoir au sein du collège de la HATVP quelqu'un qui maîtrise
parfaitement le fonctionnement de notre institution, fonctionnement qu'il a connu de l'intérieur et qu'il a connu aussi dans ses missions de déontologue. Je crois que c'est important, au moment où ça a été souligné, et je m'inscris peut-être un peu en faux avec collègues qui viennent d'intervenir, je crois qu'au contraire, les parlementaires n'auraient qu'à se réjouir de cette nomination, parce que elle n'est pas porteuse de menaces, mais au contraire, d'un regard qui est éloigné des caricatures qu'on porte trop souvent sur le travail parlementaire, nourri par une défiance et un anti-parlementarisme populiste qui, aujourd'hui, je crois, pollue la vie médiatique et d'excès et d'outrance. Donc, quelqu'un qui maîtrise, qui apprécie, qui connaît la force d'une institution parlementaire ne peut être qu'un atout. Voilà ce que je voulais témoigner, disant que cette nomination me paraissait très opportune. Merci. Monsieur Emmanuel Mandon, pour le groupe démocrate. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais m'inscrire à mon tour dans le prolongement des différentes appréciations qui ont pu être formulées, notamment par rapport à l'existence de ces contrôles et de la mission importante de la HATVP. Donc, je voudrais là-dessus peut-être d'ailleurs évoquer la question de la perception et de la méfiance que ressentent nos concitoyens, ça vient d'être souligné, même l'hostilité envers les élus et les parlementaires en premier lieu. Bon, c'est un travers, j'allais dire, assez endémique de l'opinion et des débats, des médias, et il est peu probable, malheureusement, que la seule communication de la haute autorité suffise à renverser le courant. Il n'en reste pas moins que les travaux de la haute autorité devraient contribuer à une appréhension plus exacte par l'opinion de la manière dont les élus accomplissent, je crois, leur mandat. Donc, premier point. Et deuxièmement, par rapport au manque de moyens, finalement, de la haute autorité, est-ce que, effectivement, ne serait-il pas nécessaire de doter l'institution peut-être de moyens supplémentaires? Mais on se demande jusqu'où on peut aller, car les contraintes budgétaires étant ce qu'elles sont constamment, n'est-il pas finalement compliqué de demander toujours plus? Et est-il possible, selon vous, de mieux assurer cependant la convergence entre le champ de compétences actuel ou futur de la haute autorité et les moyens financiers qui doivent lui être alloués? Je vous remercie. Merci, Monsieur Hervé Solignac. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Deux questions pour vous, Monsieur Palès. La première sur les cabinets privés dont l'implication aujourd'hui est régulièrement dénoncée. Leur influence sur les politiques publiques est désormais largement partagée avec des montants d'argent public qui sont engagés de manière exorbitante. Ne pensez-vous pas que la HATVP pourrait trouver là un champ d'investigation nouveau? Et puis ma deuxième question rejoindra en quelque sorte celle qui vous a été posée par notre président. Il est à peu près certain que la probité a progressé chez les élus depuis une date que je ne me hasarderai pas à fixer, mais je crois pouvoir dire qu'elle est aujourd'hui bien meilleure que ce qu'elle n'a pu l'être dans les années passées. Néanmoins, si la culture de l'intégrité progresse, je ne suis pas sûr que nos concitoyens le perçoivent ainsi. Loin s'en faut. Leur mémoire est parfois curieusement défaillante. Tout à l'heure, notre président évoquait ces Français qui ignorent totalement que notre régime spécial de retraite a été supprimé. On a beau le dire et le répéter, on a un peu du mal à le faire entendre. Ne pensez-vous pas que la HATVP pourrait avoir un rôle à jouer en essayant d'évaluer sur la durée? Alors, d'aucuns diraient peut-être de barométrer ses progrès en matière d'intégrité au-delà d'un simple rapport annuel qui reste un peu confidentiel et qui mériterait probablement de la part de la haute autorité une communication plus offensive pour essayer de faire œuvre de pédagogie et de mesurer encore une fois l'évolution de cette probité chez les élus. Merci. Enfin, Madame Marie-Agnès Poussier-Vinsbach pour le groupe Horizon. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Monsieur Payet, j'ai pu également
mesurer votre bienveillance, puisque jeune députée, il y a quelques mois, je vous avais sollicité un rendez-vous, parce que nous sommes, enfin en tous les cas, moi j'assume le fait d'être parfois inquiète et de me dire pourvu que je ne fasse pas une bêtise, donc merci de l'accueil que vous m'aviez réservé à ce moment-là. Et justement, c'est dans cet état d'esprit que je souhaite vous interroger, parce que peut-être pas tant pour les parlementaires avec la haute autorité pour la transparence de la vie politique. Nous sommes accompagnés par nos groupes politiques, on nous aide, etc. Mais je pense aux élus locaux qui se retrouvent parfois élus un peu par surprise. En tous les cas, ils ne savent pas quelles sont les conséquences de leur élection. Et donc, je me demandais si vous n'imaginiez pas qu'il était possible d'organiser des formations, une aide, un accompagnement. Et peut-être que ce n'est pas la haute autorité, mais c'est peut-être ailleurs que nous devons réfléchir à ce sujet. Mais souvent, les élus sont démunis et ont peur, encore une fois, de faire des bêtises, d'oublier quelque chose. Je l'ai souvent entendu, ce n'est pas une affaire personnelle, en disant on est un peu en panique, on ne sait pas ce qu'on doit mettre ou pas, parce que selon votre contrat de mariage, vous devez mettre des choses ou pas. Et tout cela parfois relève plus de l'oubli ou de l'absence de connaissance que d'une volonté de ne pas déclarer telle ou telle chose. Et peut-être que ceci contribue aussi parfois à des défiances de nos concitoyens à l'égard des élus. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Monsieur Palais, vous pouvez répondre aux différentes questions des collègues. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez interrogé sur la fuite en avant vers la transparence. C'est effectivement quelque chose de préoccupant. J'ai évoqué mon passage à la CNIL, et à la CNIL, il y a un droit qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le droit à l'opacité. Donc, je suis partisan d'une certaine opacité. Je pense qu'effectivement, la transparence a des limites. Et je crois que l'exercice, l'équilibre actuel est quand même très satisfaisant. C'est ce que j'ai dit dans mes réponses. Je pense qu'il faut avant tout assurer son effectivité plutôt que de vouloir accroître son champ et créer de nouvelles normes supplémentaires de transparence. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de donner à la haute autorité des attributions supplémentaires. Alors, il y a beaucoup de points à corriger probablement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait adéquates dans la législation. La haute autorité le souligne dans ses rapports. Il y a des catégories de personnes qui mériteraient de figurer dans le régime de la déclaration, par exemple les maires d'arrondissement, mais sur des points assez ponctuels, il y a certainement de l'aménagement législatif à faire, mais je ne vois pas la nécessité d'une grande réforme législative qui marquerait un pas supplémentaire. Et comme ça a été dit par d'autres intervenants, il y a d'une part tout le travail d'amélioration de l'effectivité de la loi, et puis il y a faire passer le message que ça fonctionne, que c'est réel, que les élus français sont effectivement très, très encadrés, très suivis, très contrôlés, et sont assez exemplaires, me semble-t-il, si on regarde d'autres pays. Bon. Alors, en ce qui concerne le problème de mon propre conflit d'intérêts entre mes fonctions, ma carrière, etc., l'exercice de la haute autorité, l'exercice au sein du collège de haute autorité, les choses sont extrêmement claires. Hein. Le déport, il est absolument obligatoire sur les dossiers des députés en exercice, et qu'il était également dans les trois années qui précèdent mon éventuelle désignation. C'est quelque chose qui, évidemment, est une initiative personnelle du membre du collège, mais c'est aussi très contrôlé par le collège lui-même, d'après les informations que j'ai pu avoir, hein, et par l'administration de la haute autorité. C'est un point sur lequel la haute autorité est très attentive. Elle veille à être exemplaire, et donc, franchement,
je crois que je peux vous rassurer complètement sur ce point. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir en quoi mon capital, en quelque sorte, de connaissances peut être utile néanmoins à la Haute Autorité, puisque je n'aurai pas à traiter des dossiers individuels des parlementaires. Alors là, je pense que c'est dans l'approche générale. La Haute Autorité traite des dossiers individuels des parlementaires, mais elle traite aussi plus généralement de ses relations avec le Parlement, avec les élus. Et c'est évidemment dans ce domaine que je suis en mesure de faire valoir mon expérience au sein du Collège, en tout cas, je l'espère. La Haute Autorité, Monsieur Pont, vous l'avez dit, elle connaît énormément de choses sur les députés. Tout, peut-être pas, mais enfin, bon, ça va très loin, il n'y a pas de doute. Je pense que on a atteint une certaine limite et que par exemple. L'idée qu'il faudrait que les... Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai eu à me positionner ou à réfléchir. En tout cas, faut-il, par exemple, que les députés publient leurs frais de mandat, comme certains le demandent. Moi, je n'en vois pas la nécessité. Hein. Je pense que le contrôle qui est institué au sein de l'Assemblée nationale apporte une garantie suffisante sans qu'on aille sur ces notions de publicité qui sont également valables pour le patrimoine. Donc, je n'ai pas là-dessus... j'ai une position assez modérée, on va dire. La méfiance envers les élus, c'est évidemment un constat que je partage, hein. Et je doute bien que les efforts de communication de la Haute Autorité, qui sont extrêmement importants et qui sont un objectif important, ne suffiront jamais. Et j'ai été très frappé, par exemple, de lire tout récemment que la présidente du Parlement européen avait dit en une journée, on a ruiné 10 ans de travail de légitimité du Parlement européen, enfin d'image du Parlement européen. Bon, on sait très bien effectivement comment ça fonctionne. J'ai pu le constater moi-même dans ma carrière administrative, en particulier à la Questure et à la déontologie, qu'il suffit évidemment d'un cas pour tout d'un coup que tout l'édifice semble s'effondrer et que tous les efforts soient réduits en quelque sorte à néant. Je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Je pense que tout le travail qui a été fait vraiment en matière de déontologie, de transparence de la vie publique, de probité, etc., est un travail d'abord indispensable parce qu'il faut pouvoir, lorsqu'il y a une crise, pouvoir dire nous avons contrôlé, mais nous n'avons pas vu forcément ce cas-là, mais nous avons contrôlé, nous avons les moyens de contrôle, donc il n'y a pas... Et puis, il faut inlassablement poursuivre les choses et s'accrocher à l'idée que ça finit quand même par donner des résultats et qu'on peut... Mais enfin, bon, je pense évidemment la confiance, les facteurs de confiance ou de défiance sont multiples et que tout l'aspect de déontologie n'est qu'un aspect, n'est qu'un levier hein, pour améliorer les choses. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas proposé de changer, de transformer la Haute Autorité en Haute Autorité de la probité. Hein, c'est une proposition qui a été faite au niveau parlementaire, hein, mais ça demande réflexion. Je pense que la Haute Autorité n'a pas vocation à prendre en charge l'ensemble des questions de corruption. Je pense que c'est des questions qui relèvent avant tout de l'autorité judiciaire. Mais il y a certainement un travail à faire dans l'articulation entre la Haute Autorité et l'agence contre la corruption.
La question des cabinets privés m'embarrasse, hein, je ne le cache pas, parce que j'ai le sentiment qu'il y a un débat parlementaire qui est en cours. Hein, il y a le Sénat a pris une position, le gouvernement a pris une position qui n'est pas la même. J'ai lu les débats. Vous êtes saisi de ce texte. Vous aurez peut-être à vous prononcer sur cette proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat. Donc j'ai bien envie d'utiliser mon devoir de réserve, hein, pour dire que je ne souhaite pas prendre parti dans un débat. Je peux quand même dire que j'estime que la Haute Autorité doit vraiment rester centrée sur les responsables publics, en particulier en matière de déclaration, et que... Je note que d'ores et déjà, les cabinets de conseil sont dans la juridiction de la Haute Autorité à travers les actions de représentation d'intérêts. Alors, le problème, c'est que pas tous et pas forcément très bien. Mais enfin, voilà, c'est un domaine sur lequel je serai quand même assez prudent. Alors, en ce qui concerne les élus locaux, effectivement, c'est en quelque sorte un des points faibles, hein, du dispositif général. C'est là où l'information passe le plus mal, où elle est la plus difficile à assimiler, parce que les règles sont complexes, hein, dans tous les domaines, et dans le domaine, y compris dans le domaine nouveau, mais bon, qui ne concerne que des grandes collectivités locales, des représentants d'intérêt, de l'action des représentants d'intérêt auprès des collectivités locales. Je sais que si on parle uniquement de déclaration, mais c'est un aspect des choses, la Haute Autorité est très très quand même accessible, réactive, hein, en termes de conseils d'assistance. Mais enfin, ça ne suffit pas, et on voit bien que, par exemple, sur la question des mobilités, qui concerne aussi les collectivités locales, il y a aussi beaucoup d'incertitudes, de difficultés pour ces collectivités à bien assimiler les règles et bien les appliquer. Alors, moi, je crois beaucoup au maillage qui est en train de se créer avec les référents déontologues, hein, qui apparaissent dans toutes les administrations et qui, au niveau des collectivités locales aussi, à travers les centres de gestion, commencent à jouer un rôle de plus en plus important. Et je pense que c'est là que va se trouver le pivot, en quelque sorte, hein, pour les collectivités locales, d'une appropriation déontologique. Alors il faut que ces référents déontologues soient eux-mêmes bien formés, informés, et la Haute Autorité a incontestablement un rôle très important à jouer là-dedans, comme une sorte de tête de réseau, hein, de ces référents. D'après ce que j'ai compris, son rôle n'est peut-être pas encore très bien défini par la loi. De fait, il est important, mais il mériterait peut-être d'être précisé pour qu'il soit bien reconnu que... voilà, il y a ce réseau, en quelque sorte, de référents, et que la Haute Autorité joue un rôle un peu leader et dans ce domaine, et surtout un rôle d'appui de ces référents. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à toutes les questions. Je vous remercie. Je pense que vous l'avez fait. Donc, on ne va pas vous retenir plus longtemps et on va délibérer. Merci à vous. Je suspends la séance une minute.
Voilà. Bien, donc, nous reprenons pour l'annonce des résultats. Je vous propose de le faire par ordre d'audition. Pour l'annonce des résultats du scrutin sur la proposition de nomination de Mme Diane Roman. Nombre de votants, 46. Blanc et nul, 13. Suffrages exprimés, 33. Avis favorable, 15. Avis défavorable, 18. La majorité des 3 cinquièmes exprimés pour s'opposer est de 20. En conséquence, la commission n'a pas donné un avis défavorable à la nomination de Mme Diane Roman. L'annonce des résultats du scrutin sur la proposition de nomination de M. Loïc Cadier. Nombre de votants, 40. Blanc ou nul, 5. Suffrage exprimé, 35. Avis favorable, 34. Avis défavorable, 1. Majorité des 3 cinquièmes des suffrages exprimés pour s'opposer, 21. En conséquence, la commission a donné un avis favorable à la nomination de M. Loïc Cadier. Et enfin, l'annonce des résultats du scrutin sur la proposition de nomination de M. Christophe Palès à la Haute Autorité. Nombre de votants, 24. Blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé, 24. Avis favorable, 24. Avis défavorable, 0. La majorité des 3 cinquièmes requises des suffrages exprimés était de 15. La commission a donc donné un avis favorable à la nomination de M. Palès aux fonctions de membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve mercredi prochain. Mardi prochain.